Bonsoir. Désormais sur France 2, vous découvrez les stars comme vous ne les avez jamais vues. Grâce à cette oreillette, impossible pour elle d'utiliser la langue de bois. Bienvenue dans Panique dans l'oreillette. Pour cette nouvelle formule en deuxième partie de soirée, vous allez découvrir deux invités. Ma première invitée est l'une des personnalités préférées des Français. Elle est drôle, ultra sensible et pleine de charme. Sa ténacité et son talent lui ont permis de surmonter de nombreux obstacles pour réaliser ses rêves. Il s'agit de Mimi Mathy. Mon deuxième invité est un bon vivant et l'a fait savoir. On a parodié partout sa très forte personnalité. Il a eu plusieurs vies en une. Il est tellement passionné par ce qu'il fait qu'il arrive toujours à toucher le cœur des gens. C'est sans doute pour ça que son dernier livre, Le plaisir à petit prix, est numéro 1 des ventes. Il s'agit de Jean-Pierre Coff. Dans un instant, Mimi et Jean-Pierre vont s'installer dans ces fauteuils pour répondre à mes questions. Mais je ne serai pas seul face à eux, puisque certains de leurs proches seront ce soir mes complices. Ils seront cachés là-haut, dans une bulle, et pourront me souffler leurs questions dans l'oreillette. Ils vont parfois m'aider à les déstabiliser et nous aider à mieux les cerner. Vous verrez tout, vous entendrez tout, mais pas eux. À la seconde où je vous parle, Mimi Mathy et Jean-Pierre Coff sont enfermés dans leur loge et ils ne m'entendent pas. Ils savent qu'ils sont filmés, hein, ils ont vu la caméra, mais ils n'entendent pas ce qui se passe sur ce plateau. On va pouvoir donc vous présenter à leur insu mes complices. Mon premier complice a rencontré Jean-Pierre en 1968. C'est dire s'ils se connaissent bien. À l'époque, ils travaillaient tous les deux dans une agence de publicité. Jean-Pierre était le patron et mon complice était son employé. Et au début, ils ne se l'aimaient pas beaucoup. Merci d'accueillir Patrice Lafont. Les temps ont bien changé. Jean-Pierre et Patrice sont aujourd'hui les meilleurs amis du monde. Bonsoir. Les amis de recevoir. Ça fait très plaisir. Merci. Ça va bien ? Mon deuxième complice connaît lui aussi Jean-Pierre depuis très longtemps. Ils sont amis depuis 20 ans et c'est même son voisin à la campagne en Eure-et-Loire. Il connaît mieux le Jean-Pierre Deschamps que le Jean-Pierre des Villes. Merci d'accueillir Jean-Claude Ponson. Alors Jean-Claude va nous parler des casseroles de Jean-Pierre, mais pas celles auxquelles vous pensez. Bonsoir. Bonsoir Jean-Claude. Bonsoir. Ça va bien ? Ça va bien. Vous êtes détendu ? Oui, à peu près. Faites semblant. Mon troisième complice connaît Jean-Pierre depuis plus longtemps encore. Ils se sont rencontrés en 1956 à leur début de comédien au cours Simon. Ils étaient à peine sortis de l'adolescence. Merci d'accueillir Jacques Balutin. Jacques adore vanner Jean-Pierre sur sa passion pour la cuisine et pour la nature. Il ne s'en doute pas, notamment lorsqu'on les entend tous les deux à la radio dans le Grand Stade. Bonsoir. Ravi d'être là. Vous allez bien ? Oui, très bien. Est-ce qu'il sait que vous êtes là ? C'est Jean-Pierre ? Wenga. J'espère bien que non. Allez, je vous présente les proches de Mimi qui seront mes complices ce soir et qui seront avec vous dans la bulle. Mon premier complice est un bon copain de Mimi. Ils se connaissent depuis 20 ans, ils s'adorent et passent tous les ans le réveillon ensemble. Et ils adorent faire la fête. Merci d'accueillir mon confrère Laurent Boyer. Laurent est un fan inconditionnel de Mimi. Il la trouve très drôle, très forte et très gaie. Bonsoir. Je suis ravi. Merci. Ça fait plaisir de vous voir là tous ensemble. Messieurs. Elle ne sait pas que vous êtes là non plus. Hein. Elle ne sait pas que je suis là et pour moi c'est une première. Je suis venu un peu en terrain connu sur France 2. Voyez. Exactement. On est ravis de vous recevoir. Merci. Mon deuxième complice fait lui aussi partie de la bande très rapprochée de Mimi. Il ne compte plus les fous rires qu'ils ont eu ensemble depuis plus de 20 ans. Merci d'accueillir Bruno Philippa. Bruno adore l'humour très potache de Mimi, un humour qui le fait hurler de rire. Bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous recevoir. Merci. On continue, mon troisième complice ne va pas entrer maintenant. C'est un peu particulier car il est en ce moment même dans la loge de Mimi. Il s'agit de Benoît, son mari. Et alors, il est très près d'elle comme ça, souvent pour la soutenir dans les grandes occasions. Il est en coulisses, sauf que ce soir, il ne restera pas en coulisses parce que lorsqu'elle viendra s'asseoir sur ce fauteuil, eh bien, à son insu, il viendra, lui, dans la bulle. Il s'agit de Benoît, le mari de Mimi, qu'on peut applaudir dès maintenant. Et qui sera notre complice. C'est voilà. Génial. Elle sait qu'elle est filmée, elle n'entend pas ce qu'on raconte, on ne sait pas non plus de quoi elle parle. Vous savez, ce qu'on va faire, c'est qu'ils vont arriver d'une seconde à l'autre, donc je vous laisse rejoindre la bulle et vous installer. Vous pouvez tout faire ce soir, vous êtes libre. Merci à vous. Merci. Merci. Voilà,
Alors pour éviter les gaffes, eh bien mes complices n'ont plus de prénom. Ils sont complices numéro 1, numéro 2, numéro 3, etc. Je rappelle aux téléspectateurs qui nous rejoignent que cette bulle est insonorisée et donc ils pourront me souffler leurs questions à l'insu des invités. Et puis il y aura surtout beaucoup d'autres complices qui vont nous rejoindre dans cette bulle par une porte secrète. Voilà. Les complices disparaissent, les invités nous rejoignent. Je viens de voir Mimi qui vient de dire au revoir à son mari et je me tais. Je sais pas pourquoi je fais cette émission, parce que de toute façon, je n'ai pas d'amis, je n'ai pas de famille, je ne connais personne et personne ne me connaît. Pourquoi ils m'ont invité? J'en sais rien. Voilà, Mimi Mathy, on l'a invitée parce qu'on adore son parcours. Et on sait qu'elle est extrêmement spontanée, extrêmement vive et on aime son charme, sa sensibilité, son humour. Mesdames, messieurs, Mimi Mathy! Ça va ? Ça va. Super. Ça va bien. Ça va bien, quoi ? Ben super. Pas trop la trouille ? Moi un peu, et vous ? Oh ben très bien. Oui ? Ah non, mais moi je suis impeccable. Je suppose que le siège où il y avait le petit cube, c'était pour moi. C'est les sièges de c'était tout le monde, Mimi. Voilà. Vous êtes détendu ? Oh ben oui. Pourquoi je devrais pas ? Non, c'est une question. Ah, je crois que le truc est baissé, là. J'ai vu tout le monde. Non, mais fais peur ! Ah, je me suis retourné, elle m'a fait... Hey, vous m'avez eu pour devant, parce que j'ai eu vraiment la trouille. Non mais là c'est vrai. Non mais moi bon, je suis en pleine forme. C'est vrai. Ben, oui. On peut tout raconter ce soir. Oh oui, à part oui, on peut presque tout. Bon. Oui. Vous allez être un peu aidé. Je ne sais pas si vous connaissez cette personne qui va venir. Vous allez nous dire quand cette personne sera là. Puisque mon deuxième complice nous rejoint. Il quitte sa loge. Qu'est-ce que c'est que ça ? Donc, évidemment. Quelle galère est-ce que je me suis embarqué ? Oui, vous avez raison. Cassez-vous la gueule comme ça, j'irai pas. J'aimerais bien que ça vous arrive. But, tombez dans le vide, mais tombez d'où ? Comme ça, au moins, je pourrais remonter, voilà, bouclier, bouquiner. Dans quelques instants, on va m'entendre. Et donc, vous savez qu'on est ravis de le recevoir. Le public l'adore. J'ai dit tout à l'heure, son livre est en train de rebattre tous les records, toutes catégories confondues. Il touche le public. Et puis, on se demande tout le temps si ce personnage qu'on adore à la télévision, c'est le vrai dans la vie. C'est ce qu'on va essayer de savoir ce soir. Je sais qu'il a les ponts sans temps, Jean-Pierre. Ne me donnez pas d'ordre comme ça. Je vais là-bas, montrez. Je crois qu'il est de bonne humeur, Jean-Pierre. Il est de bonne humeur, Jean-Pierre. J'ai pas envie d'y aller. Je vais être ridicule. Non, qu'est-ce qui va venir raconter des conneries sur moi ? C'est complètement idiot. Elle a qu'à faire le truc toute seule, Mimi, ma fille. Elle sait, elle, moi, j'ai rien à... Quoi ? Mais non, mais ne me parlez pas sur ce point-là, je viens. Écoutez, je crois que ce soir, on a affaire au grand Jean-Pierre Coff et je vous demande de lui faire un triomphe. Il est en pleine forme, visiblement. Mesdames, messieurs, Jean-Pierre Coff ! Qu'est-ce que c'est là ? Bah écoute, on va. Et on repartait. Ça te donne pas idée ? Si on le plantait, qu'on repart. Allez, on va. Non ! Allez, je vous laisse vous installer, tous les deux. Alors, Jean-Pierre Coff et Mimi Mathy ont eu la gentillesse déjà de venir dans la bulle, de jouer les complices, donc vous avez vu le plaisir, la jubilation qu'on peut avoir à raconter comme ça des choses sur les invités. Donc vous imaginez que ce soir, ils vont se régaler. Oui, je crains le pire. Tu as des amis, toi. Écoute, je vais découvrir lesquels, en tout cas. Le public se demande si vous vous connaissez. Oui, nous sommes croisés souvent. Nous avons fait des choses ensemble pour des enfants. Et, ah bon Non, attends, c'est mal. Si tu dis ça, ils vont s'imaginer qu'on a fait des enfants ensemble. Non. C'est pas le cas. Non, et j'ai vu tous les films de Jean-Pierre, bien sûr. Vous ne croyez pas si bien dire, on va en parler tout à l'heure. Ah, bon ça me plaît. Elle va découvrir des choses ce soir. J'espère bien. Effectivement. Non, mais on se connaît, on s'apprécie. Enfin, en tout cas, j'espère qu'il m'apprécie. Moi, je l'apprécie. Nous connaissons peu. Nous avons de l'estime l'un pour l'autre, ce qui est déjà un bon début, plutôt hein. Bien.
Un bon début. Mais comment vous connaître... Ça te va, ça? Oui, ça c'était très bien. On a respecté dans la loge. Mais comme on va vous connaître encore mieux tout à l'heure, on verra si vous êtes des gens qui gagnent à être connus, comme on dit. Fred, hein, j'ai l'impression que Kov va bouffer Mimi, regarde. Fais gaffe quand même. Alors, effectivement, on est déjà en train de me parler dans l'oreillette. J'aimerais que mes complices apparaissent, s'il vous plaît. Voilà. Là, si on fait très vite et qu'on se retourne, on les voit? Alors, allez-y pour voir pour montrer au public. Donc, de là où vous êtes, vous ne voyez rien. Mais si on se déplace, on pourra les voir. Allez-y, essayez pour voir. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Je ne me retourne pas, je ne me retourne pas. Et un cache s'est levé. Le cache se lève parce que, Jean-Pierre, vous avez un détecteur sous les fesses. Il faut savoir que... sur le siège... Mais c'est des micros. Alors, effectivement... Il devait mettre une jupe pour faire un French cancan, on avait dit. Et alors, comme mes complices me parlent déjà, j'aimerais que le public les entende. Donc, est-ce que le public peut mettre son casque? Je disais pourquoi Jean-Pierre n'a pas mis une jupe et on avait dit qu'il faisait un French cancan à la fin, on avait dit. Ah bah, c'est parti, là. C'est... OK, complice numéro 3, un essai. Me voilà, oui. Ouais. Oui, voilà. Un petit essai. Ah, lui, on l'entend, lui. Non. Ben, on l'entend, la preuve, c'est qu'on rigole. Ah, vous m'avez eu. Comment tu veux que je l'entende? J'ai pas des oreilles bioniques. Parce que notre complice numéro 3 a une grosse voix. J'ai tout de gros. Non, c'est pas... Ah, je sais ce qu'il a dit. Ah bon? S'il a une grosse voix, je vois tout non. à fait. Non. Alors ça, c'est franchement, j'espère que c'est pas un de mes invités qui vient comme ça. Hein. J'espère que c'est un des miens. Racontez pour les téléspectateurs le sentiment qu'on a, parce que vous entendez les gens rire, mais pour une fois, c'est pas vous qui les faites rire. Bah oui, l'autre fois, j'aimais bien quand j'étais là, j'entendais tout. Ouais. Mais bon, mais c'est pas grave, hein. Ok. C'est bon. Quand même très énervant. Bon. En tout cas, on va explorer vos vies dans un instant, mais j'aimerais auparavant expliquer pourquoi vous êtes de bonne humeur l'un et l'autre. D'abord, parce que c'est quelque chose de magnifique que vous proposez au public, Mimi. C'est assez inattendu. Ça, c'est Mimi, pas raconte-moi. C'est une collection pour les enfants qui va sortir à partir du 2 avril. Et donc, il y aura à raison de deux parents. Et chaque histoire, chaque livre racontera l'histoire de deux enfants qui n'auraient jamais dû se rencontrer et qui se rencontrent. Et c'est pour tous les âges, surtout pour les jeunes et même les plus jeunes. Donc, il y a un CD, on peut vous entendre raconter l'histoire. Il y a un CD audio où je raconte l'histoire. Et tout ça est mis en musique magnifiquement. Okay. Voilà, avec des dessins de Marianne Barcillon. Et c'est une histoire que vous avez inventée les... Ah oui, c'est des histoires que j'ai inventées à partir des histoires que je racontais à mes neveux et nièces quand ils étaient plus jeunes. Et je leur demandais toujours de me donner deux personnages. Donc des fois, j'étais vraiment dans une merde noire, parce que quand on dit un éléphant et une marchande d'allumettes... C'est pas facile d'imaginer l'histoire, mais c'est vrai que ça, je me suis entraînée avec tous mes filleuls et j'aime bien ça. Et sur chaque livre, il y aura 30% de mes droits qui iront à une association différente à chaque fois. Une association pour les enfants, voilà. Et puis des histoires, donc des belles histoires pour les enfants qui font rêver, avec des messages à chaque fois sur la différence. Sur la tolérance, la différence, c'est l'âge idéal pour leur faire comprendre que ce monde n'est pas aussi pourri que ça et qu'il peut être beau si on leur apprend dès l'enfance à le rendre beau, voilà. Voilà, Mimimati qui touche. Le public au cœur à chaque fois. Mimi Mathy, raconte-moi les vacances africaines de Zouzou et Aïe. C'est le premier. Et alors, est-ce que vous savez ce qui arrive à Jean-Pierre Coff? Vous êtes au courant? Il est best-seller. Best-seller numéro 1, on peut l'applaudir. Bien manger en famille pour moins de 9 euros par jour. C'est vrai que la promesse, comme on dit, est très forte. Et je connais des gens qui ont essayé. Effectivement, quand on prend des recettes ici ou là, on arrive à s'organiser. Et ils sont morts? Et donc, il y a plein de recettes. Et surtout, ça ressemble à de la provocation, mais je sais que pour vous, c'est sincère. Vous dites finalement, cette crise qui fait peur à tout le monde, ça aura au moins du bon. C'est que finalement, les gens vont retrouver le plaisir de faire à manger, en fait, et de plus acheter des trucs tout prêts qui coûtent très cher. Je pense que la crise, si les consommateurs citoyens réfléchissent, ça peut être sûrement la révolution la plus importante sur le plan alimentaire que nous ayons connue depuis au moins 250 ans. C'est valable à la fois pour... les consommateurs, mais ça sera aussi, je l'espère, valable pour les industriels qui vont prendre conscience que nous existons, nous les consommateurs, que nous avons des droits et que eux ont essentiellement des devoirs sur notre santé grâce à notre alimentation. Ce mec va être ministre. On faisait des compliments, on disait que vous alliez être ministre un jour. Vous n'allez pas vous foutre de notre gueule pendant tout le temps de l'émission à nous laisser comme des imbéciles à rigoler devant nous, quand même. Moi, j'ai envie parce de mettre parce que moi, je la prends dans mes bras et je l'embarque. J'adore les cuisiniers, donc tu peux y aller, hein. Bon, vous êtes prêts?
C'est parti. Alors, Mimi a horreur des bruits de bouche. Elle peut tuer quelqu'un pour ça. Elle est capable. On est en train de me donner des infos sur l'un de vous deux. Les petits bruits. Je suis un peu maniaque des petits bruits. Non, mais je le reconnais. C'est-à-dire un papier de bonbon. Ou quand t'es au cinéma, tu vois un beau... Arrêtez, ça m'énerve. Frédéric, la dernière fois que nous sommes allés au cinéma voir le film Le Code a changé, le couple à côté de nous avait un paquet de pop-corn. Elle a failli les tuer. Je pense que les gens n'ont même pas regardé le film. Oui, mais c'est vrai que je ne supporte pas les... J'aime mieux avoir un gros bruit. Un marteau-piqueur, ça ne me gêne pas. Ouais. Mais quelqu'un qui mâche un chewing-gum ou un petit bruit de papier, tu sais, ou un petit bruit de clé, tu sais, dans les poches, ding, ding, je n'entends que ça. Je n'entends que ça. Effectivement, c'est énervant. Regardez comment elle se soulage. Mais j'ai tellement de qualité, autrement, on peut en parler aussi. Hein. Mais je suis une maniaque des petits bruits, ouais. Mais dis-moi, quand tu es en scène, est-ce que tu entends les bruits des papiers ou Ah des... oui, mais arrivé de m'arrêter, de demander à personne d'arrêter. Parle-lui du TGV quand elle se prend pour quelqu'un d'autre dans le TGV et qu'elle imagine qu'elle est filmée alors qu'en fait elle n'est pas filmée du tout. Regarde, changement d'attitude. Alors justement, on est en train de parler de ce côté soupolé qui peut s'énerver dans un train par exemple. Il paraît que vous êtes énervé un jour. Oui, la porte, j'avais laissé mon sac de voyage dans l'entrée, je sais pas si c'est ça, j'avais laissé mon sac de voyage dans l'entrée et puis c'était l'époque de surprise. Ouais. On m'avait dit, méfie-toi, tu vas te faire choper. Et je laisse mon sac dans l'entrée, je sors de ma place pour aller dans l'entrée où on met tous les bagages, où il n'y a jamais de place là. Et puis je reviens, la porte fermée, la porte qui permet de retourner dans le wagon. Alors je commence à... Et puis moi j'atteins pas le bitonio là-haut. Alors je tape. J'ai un mec débloqué le truc là-haut. Il débloque, ça marche pas. Je commence à dire non mais c'est pas vrai, je vais pas faire... Il me restait 2 heures de train. Je vais pas passer assise dans l'entrée. Et puis d'un coup je me dis c'est surprise, surprise. Et donc elle est tout de suite... J'étais comme ça tout le long. J'avais mon sac à main, je me dis, ils sont en train de piquer dans mon sac à main. C'est super. Non, c'est pas grave, vous inquiétez pas. Et le contrôleur qui me disait, on peut pas ouvrir. Mais c'est pas grave. Et je suis restée zen, et puis c'était pas du tout surprise. Alors, il y a un truc où elle reste pas zen, c'est en voiture. Elle est horrible en voiture. Elle insulte tout. Est-ce que ça vous dit quelque chose, ça? On va faire tous les défauts d'un coup. Je suis très énervée au volant. Enfin, non, je ne suis pas énervée, je conduis normalement, pas comme quelqu'un sous l'exomile. On me dit que je ne peux pas imaginer, donc qu'est-ce que je devrais imaginer? Disons que quelqu'un ne bouge pas devant. Il faudrait rendre hommage à celui qui a inventé le klaxon. Et puis, s'il ne bouge pas vite, je le klaxonne aussi. Et puis, s'il reste au milieu de la route alors qu'il y a deux fils, je le klaxonne. T'as des jolis noms d'oiseaux aussi. Je reconnais ça. Des noms d'oiseaux, des insultes un peu? Non, juste connard. Tu vas te bouger, enlève le frein à main. T'as un exomile dans le moteur. On vient de me le dire en même temps. Donc tout ça est vrai. Parce que vous, au volant, vous êtes plus zen au volant? Non, je crois que je suis très gentil au volant. D'accord. Il n'y a pas de voiture. Pour Mimi, personne ne sait conduire. Donc on a une chance qu'elle soit comédienne. Parce que si elle avait été moniteur auto-école, personne n'aurait eu son permis. Et des fois, les gens me reconnaissent, ils font. Ou des gens me croisent, ils font. Ah, je vous ai vu l'autre jour dans votre voiture. Je vous ai traité de connard ou pas? Et on me confirme que vous n'auriez donné permis de conduire à personne. Je leur enlève tout le point, ceux qui roulent. Non, mais les mecs qui roulent avec le frein à main, ça m'énerve. Elle est d'une mauvaise foi. Fred, il faut que vous disiez qu'elle est d'une mauvaise foi. Donc, on me dit que la mauvaise foi, c'est pas du tout une particularité à vous, ça? Ah non, la mauvaise... Je suis la première à le reconnaître que c'est carré dans le public. Ouais. L'idéal qu'elle est présidente de la MFO, de la mauvaise foi évidente. Ton mari est le trésorier. On va dire que vous êtes présidente de la MFE. La mauvaise foi... Évidente. Ça dure pas, mais je peux être de mauvaise foi. D'accord, vous confirmez. Est-ce que cet objet dit quelque chose à l'un de vous deux? Casserole. Ouais. Oui, les casseroles. Oui. Bah oui. Donc, évidemment, bah, tous les si deux, on ne savait c'est pas, ça serait c'est-à-dire embêtant. Bah, Jean-Pierre dans son métier, moi dans le mari de mon métier, et puis j'avais des casseroles dans le métier de mon mari. Non, mais des fois, je parle à l'endroit aussi. Hein, c'est pas...
Non, c'est parce qu'en fait, on a beaucoup parlé de vos défauts et maintenant, on va s'intéresser aux casseroles de Jean-Pierre. Vous êtes d'accord? Je suis désolé, oui. Alors, il entraîne un bagon, hein. Alors, c'est vrai que vous donnez des conseils en cuisine, les gens vous prennent pour un modèle, hein, on peut dire ça. Effectivement, tout le monde se dit, c'est le roi en cuisine. Mais il y a des trucs que vous ne dites pas toujours au public. Enfin, vous n'êtes pas toujours un modèle. Il y a quelqu'un qui n'a pas pu être là ce soir, mais qui tenait à balancer, regardez. Jean-Pierre, imaginons qu'un jour tu veuilles cuire un turbo mais qui est trop grand et qui ne rentre pas dans le four. Comment tu t'y prends pour le faire rentrer, ce magnifique turbo, dans le four? Ça a l'air banal comme question, mais vous savez de quoi ça parle. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de turbo? Rien, c'est... Je veux pas raconter. Moi, je connais l'histoire. C'est honteux, c'est que je vois un énorme, magnifique turbo sur l'étale du poissonnier qui me dit, tu veux pas me débarrasser de ça parce que je te fais un prix, parce qu'il est très, très gros. Et moi, je le prends bêtement entier sans réaliser qu'il ne peut pas rentrer dans mon four. Et donc, Jean Tellet et Miu Miu étaient chez moi à dîner avec d'autres copains et... Au moment de mettre ce poisson dans le four, je m'aperçois qu'il ne rentre pas. Donc je me dis, il faut le découper. Et je n'ai aucun ustensile pour découper ce turbo. Ah bah tu vois, j'avais pas quoi t'offrir. Alors attendez, avec quoi on découpe un turbo? Avec un couteau à turbo. Avec tout ce qu'on peut, mais un ciseau, alors on prend un vieux couteau, on prend un marteau, on prend un... Tronçonneuse. Tu vois ce que c'est, les trucs qui servent à... Une hache, tronçonneuse, on souffle un des... Une hache, une tronçonneuse, ouais. Tout ce qu'on peut pour essayer d'arriver à en faire des morceaux. Et là, tu as 10 personnes autour de toi qui se foutent de ta gueule en te disant, t'appelles ça un cuisinier, qu'est-ce que t'as l'air d'un con, etc. Et toi, tu veux absolument montrer que finalement, la maîtrise du turbo, c'est une affaire d'enfant. Tu te coupes le doigt, donc ça commence mal, ça saigne partout. Et puis finalement, tu bouffes comme un dégueulasse. Voilà. Mais... Jean-Pierre Coq, dont on suit les conseils en cuisine. Jean-Pierre, il est magnifique parce qu'il sait arracher les carottes sans les faire crier. Le cri de la carotte, quand on l'arrache, c'est insupportable, mes enfants. Et croyez-moi, la carotte à 6h du matin, quand vous l'arrachez, elle pleure, c'est intenable. Il n'y a que Jean-Pierre qui sait. Bon. Mais en fait, il parle aussi au poireau. Hein. Oui. Parce que c'est pas l'histoire de la moto. Mais le poireau pleure moins que la carotte, parce que c'est un mâle. La moto, c'est quoi la moto? La moto, je ne la raconte pas. La moto, c'est quoi, la moto-taxi? Ah non, mais écoutez... Un jour, quelqu'un vient me chercher, c'était en 1968. D'accord. J'étais pas née. Et depuis, mais moi j'étais née, j'avais déjà 30 ans. Alors en 1968, il y a quelqu'un me dit, viens vite me chercher. Tu les fais pas. Et donc je vais naïvement et je monte sur cette moto. Le type qui conduisait la moto roulait à une vitesse incroyable et à ce moment-là, arrivé devant la maison de la radio, le chauffeur de la moto, enfin le conducteur, me dit « Dépêche-toi, descends, on est en retard !» Et je ne bougeais pas. Il dit « Descends, enfin, mène-toi, qu'est-ce que tu fous ?» Je dis « Je ne peux pas. Vas-y tout seul. » Il dit « Mais pourquoi ?» Je dis « Écoute, j'ai fait dans mon froc. » Il me dit « Mais viens !» Je dis « Je ne peux pas !» Et alors, à ce moment-là, il m'arrache pratiquement de la moto et j'étais debout. Et il me dit « Avance !» Et je lui dis « Je ne peux pas avancer. » J'étais tellement malade. T'as tellement eu peur. Tellement eu peur sur cette moto qui allait vite, qui passait entre les voitures. C'était absolument hallucinant. Et donc j'arrive finalement, je marchais comme on marche quand on est dans une situation difficile. Tu vois, c'était comme ça. Et à un moment donné, Raymond Marcillac, qui était le monsieur, qui était l'ancien directeur de la maison de la radio avec qui on avait rendez-vous, me dit « Ah, asseyez-vous !» Et alors, je dis « Non, non, ça va très bien, ça va très bien. Non, je suis pas fatigué. Asseyez-vous, on va discuter, vous n'allez pas rester debout. Non, non, monsieur, je vous en prie. » Et alors, il me dit « Si, si, alors... Je... » Et t'es là, tu sais pas... Oh ! Et là, tu crois que c'est soulagé, pas du tout, parce que c'est les jambes qui commencent. Et c'est une horreur de ma vie, vous m'entendez? De ma vie. Rassure-moi, t'es pas venu en moto, là. Bon, moi, je vous remercie d'avoir raconté l'anecdote. C'est le principe de Panique dans l'Orient. Mais que... c'est pas ça, c'était pas ça, la... Mais c'est que je pense qu'ils allaient en parler, mais vous l'avez fait avant eux. Pardon. Donc, c'est bien. On m'a donné des tas d'infos.
on me demande de vous demander de parler du cri de la carotte. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Il paraît qu'il y a que vous qui l'entendez. Je pense que les légumes, quels qu'ils soient, les légumes qui poussent en terre, donc ce qu'on appelle les légumes racines, quand on les retire de leur milieu naturel, ils doivent souffrir. C'est exactement comme... T'as fumé avant de venir ? Non mais, attends, c'est pareil pour le poireau. Arrête, c'est trop triste. Au moment où je retire un légume de terre, je leur parle gentiment parce que j'ai pas envie de les entendre souffrir. Donc ça, il paraît que c'est vrai. On se verra après. Il est plus gentil avec les légumes qu'avec les humains. Et donc, qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il dit, j'adore. Et donc, quand je cuisine, si j'ai, par exemple, imagine, toi... Non, mais j'imagine bien. Ah, te fous pas de moi. Pas du tout. Il va se venger, attention. Comment, ton mari ne parle pas aux légumes ? Ouais. Bah, moi, je divorce s'il fait ça. Bien sûr, il faut leur parler. Elles vont aller dans du beurre, elles vont aller dans de l'huile, elles vont aller aux choses, c'est pas leur endroit naturel. J'y penserai, Jean-Pierre. Mais ce que je comprends pas, c'est que tu fais des livres pour les petits-enfants et tu penses pas aux légumes. Mais vous allez la faire pleurer. Oui, mais il fait pleurer les gens assez facilement. Oui. Alors, elle pleure quand elle est triste. Elle pleure aussi quand elle est très heureuse. Elle pleure quand elle voit ses amis, quand ils ne sont pas près d'elle. C'est une fontaine et son mari est content. Alors, on est en train de me donner des infos parce qu'effectivement, vous disiez, bon, je suis ému par le sort des carottes, mais on me confirme que vous êtes ému par le sort de beaucoup de choses, beaucoup de gens. Je suis une pleureuse, oui. Ouais. Et c'est terrible quand je tourne, parce que si... Non, c'est pour vous. Ce sont des papiers. Non, ce sont des mouchoirs en papier. Je vous les amène au cas où dans l'émission. Si Jean-Pierre vous raconte l'histoire de carottes qu'on arrache. Je vais vous raconter l'histoire du navet. Non mais c'est vrai, je vois un film, je rentre à fond dedans. Ça peut servir si tu refais de la moto aussi. Hein. Devant l'enterrement de Lady Di, elle pleure. Devant les Oscars, elle pleure. Donc vous confirmez, on me dit, devant les Oscars, il y a une actrice qui reçoit un Oscar, vous pleurez. Ah mais les Oscars, moi je suis en larmes. Lady Di, par exemple. À l'enterrement de Lady Di. Oh, elle était tellement belle. j'ai un ami qui est réalisateur, Patrick Malakian, je sais pas s'il est là-haut ou pas, mais on s'est appelés tous les deux, on suivait l'enterrement en direct et on avait la boîte de Kleenex. Et t'as vu, Et t'as vu ses enfants, Et t'as vu l'autre con avec sa maîtresse, Parce qu'on me dit, on m'a dit en préparant l'émission que vous aviez un côté très midinette comme ça, Lady Di, les stars américaines. Dans ces toilettes. Dans vos toilettes, il y a des stars américaines, on me dit. En photo. Ah oui, en photo, parce que je me rappelle pas avoir croisé George Clooney dans les toilettes. Si y a Angela Jolie, tu m'appelles. Non, mais c'est en fait, on a décoré toutes les toilettes de nos deux maisons avec des photos où on est avec des artistes, que ce soit des copains ou des gens que j'ai eu la chance de rencontrer, comme Kirk Douglas ou Michael Douglas, ou des gens comme ça. Et moi, je reste très midinette. De toute façon, je reste ébahie par ce métier, par ce que je fais, par le fait. J'ai peur qu'elle ait un goût de chiotte. De tous ceux qui le font. Ouais. Et donc, effectivement, les stars américaines depuis toujours. C'est-à-dire que pour l'instant, vous n'avez pas encore tourné dans un film américain. Pourquoi George Clooney est là, c'est pas... Vous voyez dans un. Là, vous voyez dans un film américain ? Ah oui, moi j'adorerais faire la méchante de James Bond. Mais dans les films américains à Hollywood aujourd'hui, c'est un peu compliqué parce qu'ils tournent avec des fonds verts. Vous savez, on explique aux téléspectateurs, le fond vert, c'est que d'un seul coup, les acteurs sont poursuivis par Godzilla. Oui, et donc ils ne le voient un truc. Voilà, et ils ne le voient pas, il y a un fond vert. Et ensuite, quand on voit le film, on voit le monstre. Oui. Vous pourriez jouer des trucs comme ça sans savoir ce que vous êtes en train de faire. Ouais. Ou pas. Tu sens le piège, toi? Non, c'est une vraie question. Oh bah oui, on peut tenter le coup. Allez, on tente le coup alors. On applaudit Mimati. Qui va jouer. Et évidemment, Jean-Pierre va m'aider à la diriger. Donc, bien sûr, vous allez pouvoir. On a besoin que vous mettiez ça, s'il vous plaît. C'est exactement ma taille, c'est super. Ok.
Alors. Ah, c'est baissé. Alors, attention. Ah non, mais elle fait peur. Mais comment elle m'a eu? Vous m'avez vraiment eu. Je vais deux fois qu'elle me le fait. Si tu me fais venir Georges Clooney alors que je suis habillée avec ce truc ridicule. Donc, le personnage, hein, vous êtes une jeune femme un peu bimbo, toujours sourire un peu bêtement, voix sûre aiguë un peu niaise. Voilà le personnage. Hein. Rôle de composition. Voilà, on verra ce que ça donne. Eh ben, voilà. Vas-y dans ma poule. Alors, là, vous devez jouer la surprise. Vous devez dire Dany et rire. Non, il faudrait que ton rire soit un petit peu plus bête que ça. Ça reste encore un peu intelligent. Oh, Dany. Ok, moi je pense qu'on peut l'applaudir. Je pense qu'on a. Il faut pas que tu fasses passer ça comme un bout d'essai là-bas. Ah, on va voir le résultat. Vous allez être surprise. Vous allez être surprise. Ça, Spielberg. Alors, d'accord. Maintenant, vous devez répondre à quelqu'un. On a changé nos projets. Et là, vous riez à nouveau. Toujours Guirette. On a changé nos projets. Ah, tu es très bien. Tu peux me le refaire une deuxième fois, s'il te plaît. Un peu plus en avant la poitrine, si ça ne t'embête pas. Ça la compte pas très bien. On a changé nos projets. Oh, tu es très bien. On peut l'applaudir. Coupé. OK. Alors, attention, là, vous êtes interloqué, très surprise, et vous dites, Dany, mais qu'est-ce que tu as? Mais qu'est-ce que tu as? Dany, mais qu'est-ce que tu as? Tu as fait de la moto? Attention. Ouais. Alors, non, vous êtes interloqué là. Vraiment, vous ne comprenez pas ce qui se passe. Il arrive un truc extraordinaire à Dany. Une douleur. Dany, mais qu'est-ce que tu as? Bravo. Bravo. Là, vous êtes... Vous venez de comprendre ce qui se passe, vous êtes étonné et triste. Oh, mais qu'est devenu le Dany que j'ai connu à la plage? Oh, mais... Qu'est devenu le Dany que j'ai connu à la plage? Si tu peux me faire... Oh, mais qu'est devenu le Dany que j'ai connu à la plage? Très bien. Petite touche supplémentaire. Alors là, vous faites ce qu'on appelle un plan d'écoute. Ça dure 3 secondes, un plan d'écoute, et vous ne comprenez pas ce qu'il est en train de vous dire. Vraiment, vous êtes interloqué, c'est au-delà de ce que vous pouviez imaginer. Vous voyez la mauvaise foi? C'est très bien, c'est très bien. Alors, vous êtes en colère, mais toujours le personnage, hein, un peu niaise. Je ne veux plus te voir, et je ne voudrais jamais avoir posé les yeux sur toi. Et là, vous jetez ça. C'est-à-dire qu'il faut qu'on les voit dans le champ parce que vous êtes filmé comme ça, plan américain, et vous les jetez par terre. Attention. Je ne veux plus te voir et je ne voudrais jamais avoir posé les yeux sur toi. Bravo! Elle est bonne! Attention. Et là, un regard très méchant pendant 3 secondes. Elle se retourne sur sa gauche et amorce un départ vers le lointain. Donc sur sa gauche, ça veut dire ? C'est la main où j'écris pas. Ok. C'est là. Donc vous le regardez méchamment et vous partez. On applaudit Mimi Mathis, Jean-Pierre Coff qui a joué le jeu. Et puis avant la fin de l'émission, vous verrez le résultat avec le piquage, montage. Et vous saurez surtout à quelle grande star américaine vous avez donné la réplique. Et je vous remercie de me faire confiance. Et je remercie Jean-Pierre qui était un bon directeur d'Arthur. Alors, on en était aux casseroles de Jean-Pierre. Il y en a beaucoup. Mais pas gros. On me confirme qu'il y en a beaucoup. Alors, est-ce que je peux vous faire écouter une question de Jean Tellet? Jean-Pierre, qu'est-ce que tu penses des mecs bourrés qui font un pari avec leurs copains en disant « je suis capable de traverser les murs » et qui filent tout droit et qui se retrouvent avec un bras cassé? Ça vous dit quelque chose? Mais c'est un super ami, lui, hein. Tellet est un con, vraiment. Mais tu remarqueras que c'est pas mon ami, c'est le tien, hein. Oui, mais c'est dommage, parce que je croyais que ce type avait du talent. Quelqu'un qui pense qu'il va traverser les murs, qui se retrouve avec un bras cassé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelquefois, il vaudrait mieux fermer sa gueule plutôt que de l'ouvrir, et que je lui ai raconté un jour que je me trouvais sur le lieu de tournage du Sucre avec Depardieu et Carmet qui étaient là. Qui ne boivent que de l'eau, c'est connu. Et évidemment, qu'est-ce que t'as à boire?
Et on a commencé tous les soirs, on a bu. Je n'ai pas écrit une ligne, c'est pas ça. Et je leur avais dit qu'on pouvait très bien traverser les murs. Je voulais jouer les passe-murailles. Et alors, comme un imbécile, je partais d'un coin d'une rue et je courais à toute vitesse et je me précipitais contre le mur. Et ça ne passait pas de l'autre côté. Je les retrouvais tous les deux en train de se fendre la gueule. Et je disais, ben c'est parce que là... un coup et je recourais encore plus vite. La connerie, c'est que... Bon, quand on fait ce genre de truc et que ça ne marche pas, bon, on fait une autre connerie et finalement, on a continué à boire. Mais c'est que le lendemain matin, je ne pouvais plus me lever. Et donc, je me suis fait conduire à l'hôpital. Et là, le radiologue, enfin, le médecin que je vois me dit, qu'est-ce que vous avez ? Je lui dis, j'ai mal ici. Il me dit, on va faire une radio. Et il me dit, vous avez deux côtes de cassé. Qu'est-ce que vous avez fait ? Et je lui dis, ben, j'ai essayé de traverser un mur. Ah, il me dit, attendez, vous n'êtes pas dans le bon service. Psychiatrie, c'est de l'autre côté. Qui se souvient de l'histoire de la moquette pendant ce même tournage où il y avait de la moquette sur la figure parce qu'il s'était endormi une autre nuit sur la moquette et que le lendemain matin il avait toute la moquette sur le visage. On se croirait à Roland Garros. Est-ce que c'est la même, est-ce que c'est le même jour que vous ou quelqu'un qui est avec vous s'est retrouvé avec des traces sur le visage? Alors ça, Carmet toujours tournait à côté d'Orléans, je crois bien, enfin bref, il tournait, et nous avions découvert un vin, Jean et moi, que nous appelions la propreté, qui était un muscadet de 1976 du domaine des Doris. Et un jour, il m'appelle et il me dit « J'aurais bien besoin d'un peu de propreté. » C'est joli. Alors, je charge ma voiture de propreté comme il convient. J'en mets trois caisses parce que je me dis, bon... Bah pour une soirée, c'est ce qu'il faut. Hein. C'est, non. On s'étonne qu'il parle aux carottes. C'est pas gentil. Donc bref, ce premier soin... j'arrive, je fais mettre la première caisse au frais et puis il revient de tourner, on attaque, il va pour essayer de se lever et impossible. Non. Oh, c'était pas un homme qui tombait. Ah, il tombait pas. Et je voyais qu'il avait du mal, il dit oui, on va y aller. Et puis c'est cette chose très caractéristique qui fait que tout à coup, quand on a bu, je sais pas si vous avez remarqué, mais on n'a plus de fémur. C'est toujours là que ça se passe. C'est cette partie de la jambe. Non, moi, j'ai déjà pas grand-chose, c'est pour ça que je bois pas. Hein. Mais t'as raison. Mais là, tu vois, ça ne marche pas. Donc, on peut prendre appui sur rien parce que le levier ne fonctionne pas. Et donc, je lui dis, ben, appuie-toi à moi. On monte. Il faut dire qu'en tout bien, tout honneur, Jean et moi, nous avons souvent dormi dans le même lit. Et donc, il arrive, on rentre dans la chambre et là, effectivement, il tombe. Et j'essaie de le relever, je tire, je lui dis, mais merde, mets-toi dans le lit quand même. Et rien à faire. Et le lendemain matin, la maquilleuse appelle, tape à la porte, il se réveille, il va dans la salle de bain, et il revient, il me réveille, et il me dit, regarde la tête que j'ai. Alors je lui dis, qu'est-ce qu'il y a ? Il avait dormi sur la moquette d'un hôtel dont le nom commence par un S, et il avait le S qui était ici, plaqué là. Alors, il se frottait et rien ne partait. Et alors, il appelle la maquilleuse, il dit, va chercher un fer à repasser. Et alors, la maquilleuse, bêtement, vient avec un papier de soie, lui met un papier de soie et essayait de le repasser. Alors, je dis, bah, essayez avec une pâte mouille. Alors après, il avait mis... Et le repasser, ça ne faisait rien. Donc ils ont été, je crois, obligés de tourner où il était sur son autre profil parce qu'il y avait le S qui n'est parti qu'en début d'après-midi. Une histoire vraie de Jean-Pierre Coff.
Alors, justement, on vous racontait des histoires, vous dites qu'il y avait Jean Carmet. Il n'y avait pas toujours Jean Carmet, regardez. Jean-Pierre, est-ce que tu pourrais m'expliquer par quel hasard et par quelle combinaison de situations on peut un jour, un soir, se retrouver à poil dans un ascenseur d'hôtel? C'est un truc qui m'intéresse. Mais il n'est pas fréquentable. Là où ils sont, personne n'arrive à lire sur votre expression. Hein. C'est vraiment... Il est vache. Hein. Mais c'est vraiment une question... C'est une question stupide parce que ça peut arriver à tout le monde, ça. Ah ben moi, fréquemment, moi je suis à poil dans les ascenseurs d'hôtel. Alors c'est quoi le contexte? Dans cet hôtel, il y avait, avant d'arriver à ma chambre, il y avait une petite entrée. Et donc, j'ouvre la porte de la première entrée et la porte de la seconde. Et puis, je vais dans ma chambre. Je me fous à poil, je me déshabille et je remplis ma fiche de petit-déj. Et c'est très cool, il y a une porte qui est là. Donc, j'ouvre cette première porte et je prends mon truc. Puis, je m'avance et j'ouvre la deuxième porte. Et puis, je fais ça, je mets mon truc. Paf, la porte se referme. Donc, je cherche ce que je peux bien faire. Et je me dis, il faut que je descende chercher un pas. Je ne vais pas passer la nuit là-dedans. Donc, je... Alors, imaginez ce que c'est. C'est-à-dire qu'en fait, on est là comme si on ne vous voyait pas. Alors que là... Et là, il y a un couloir. Alors, tu t'avances. Personne. Tu vois, alors tu te dis, bon, très bien, t'appelles l'ascenseur, il est occupé, alors. Tu sais plus comment te mettre. Finalement, t'arrives quand même à descendre dans l'ascenseur. Et je descends dans le hall de l'hôtel, que des glaces. Donc... je t'appelle quand... Personne ne bouge, évidemment, parce que... Et il y a des clients qui sont en train de remplir leur truc. Je me pends et je dis, je suis enfermé, pourriez-vous me donner un double de ma clé? Oui, un jeune homme va vous accompagner. Et là, arrive un jeune homme extrêmement embarrassé, parce que je lui dis, bonjour. Je suis au quatrième. Il dit, oui, vous en prie, monsieur, me dit-il. Alors, je dis, non, je vous en prie, allez devant. Non, ben, non, monsieur, allez-y. Et alors, je dis, oui, monsieur, pourquoi? Et alors, je lui dis, excusez-moi, monsieur, je ne peux rien vous donner. Pour comprendre ce que vous êtes devenu, c'est important de savoir qui vous étiez. Où est-ce que vous avez grandi l'un et l'autre, etc. Moi, j'ai pas grandi. Ça se passe à Lyon. Oui. Vos parents sont d'un milieu modeste, comme on dit, papa ouvrier, maman au foyer. Oui. L'aîné de trois filles. Uh-huh. Et vous avez eu une phrase jolie un jour, vous avez dit « J'ai eu autant de câlins et de baffes que mes sœurs ». Ça voulait dire quoi? Ben, c'est-à-dire que mes parents ne m'ont pas mis sous une couveuse en me protégeant, en me surprotégeant. C'est le plus beau cadeau qu'on peut faire à des enfants, qu'ils soient petits, qu'ils soient grands, qu'ils soient gros, qu'ils soient moches ou beaux. Quoi. Je crois que... Et ça se concrétisait comment? Comment des parents peuvent apprendre un enfant à avoir de l'humour et à prendre les choses avec disons, distance? Disons, quand je disais « j'atteins pas », ils me disaient bah, « tu prends une chaise, puis tu vas attendre ». Ils m'ont appris à ne pas être assistée et à ne pas susciter la pitié, mais à se dire, putain, comment elle y va, celle-là? Et je crois que c'est vraiment encore une fois. Et elle y allait. Elle menait tout le monde, d'ailleurs, à la baguette. En lui donnant toutes les bases et en l'aidant à aller vers sa propre vie, ses propres rêves et ses propres envies. Je leur ai fait des trouilles monstrueuses. Ils me rêvaient dans un bureau, à l'abri des regards, fais des études, tu passeras des concours dans l'administration. Et puis, moi, je leur ai dit non, je vais être sur scène. Oui, bien sûr, elle est mignonne. C'était allez, pas possible, là. C'était impossible. On faisait déjà les Claudettes dans la chambre. Très fière, surtout pour eux. Alors, qu'elle parle de ses posters de la chambre. Justement, avec François. On apprenait tout Paul Naref. Parce que dans la chambre, déjà, vous faisiez des spectacles. Ah oui, les moi Claudettes. Les Claudettes, oui, mais j'étais consciente que le costume ne m'irait pas. Non, pour elle, il n'y avait qu'une solution possible, être la maîtresse de Claude François.
Il y en avait une qui n'était pas très grande, c'est souvent avec celle-là qu'on me confond, je suppose, avec, je ne sais plus comment elle s'appelle. Et donc, c'est vrai que j'avais vraiment l'envie de faire ça, quoi. Je savais tout faire. Il y avait même Clou-Clou Grandeur Nature dans sa chambre, derrière la porte. Et quand j'ai fait animatrice après, je reprenais tous les spectacles, je cassais les pieds à tout le monde pour que tout le monde soit au pas et en mesure et en rythme. Et voilà, tous les dimanches après-midi ou presque quand on se retrouvait. Au pas, camarade. C'est à peu près ça. Vous étiez déjà une meneuse hein, quand vous étiez. De toute façon, quand on est petit, on n'a pas le choix, il ne faut pas être derrière, il faut être devant, autrement on ne vous voit pas. non, mais c'est vrai. C'est vrai que moi, j'ai plutôt tendance à être chef de bande qu'à suivre ce qui peut être casse-pied des fois, parce que je suis quelqu'un de volontaire et je voudrais que tout le monde aille aussi vite que moi ou qu'on prenne au quart de tour les choses que je veux dire. Mais c'est vrai que j'ai pas eu le choix. Il fallait être de haut, devant. Et Palman m'a dit une chose très belle. Une fois, il m'a dit, tu peux pas être dans la foule, toi, t'étais obligé d'être sur scène. C'est beau, et c'est une belle ça joli. Quand on a 18 ans, quels sont les rêves à ce moment-là? Vraiment, sincèrement. Moi, c'était vraiment de faire de la scène, c'était d'être sur scène. Déjà. J'étais folle du Big Bazar. Si tu veux l'énerver, dis-lui qu'elle était dans le Big Bazar, elle va être hystérique. Vous n'avez jamais été dans le Big Bazar, c'est une précision. Non, je n'ai jamais été dans le Big Bazar, ça m'énerve quand on m'écrit, je vous ai vu dans le Big Bazar. Je n'ai jamais fait le Big Bazar, j'étais un peu plus jeune que Michel et Stéphanie, mais c'est vrai que j'aurais rêvé de le faire. Donc, mais qu'est-ce qui vous plaisait dans le Big Bazar? C'était à l'américaine, j'ai toujours aimé les comédies musicales, donc c'est vrai que ce que faisait la troupe du Big, c'était un spectacle, on chantait, on riait, ça dansait, ça bougeait, c'est ce dont je rêvais. Moi, mon film culte, c'est Singing in the Rain, la mélodie du bonheur, ces films-là où il y a plein de choses qui se passent, où la vie effectivement est belle et se termine bien, mais où il y a de l'humour, c'est une façon de vivre ou d'envisager la vie qui me plaît, qui change un peu des infos et qui j'adore ça. Est-ce que à l'époque on vous aurait proposé un premier rôle dans R, vous auriez sauté de joie? C'est Jean-Pierre qui aurait pu tourner parce qu'ils étaient tout nus, mais effectivement. Non, mais c'est vrai que oui, je rêvais de faire une comédie musicale. Il y avait Jésus-Christ Superstar, il y avait R, il y avait oui, bien sûr, j'aime ça et j'aime encore ça. J'avais envie de réaliser un de vos fantasmes ce soir. Yeah.
Merci pour ce cadeau. C'est la troupe de R. Un spectacle que je vous conseille, c'est au théâtre Trianon à Paris jusqu'à fin mars et en tournée en France et en Belgique et en Suisse. Merci beaucoup d'être venu nous apporter votre énergie. Merci à vous. C'est une très belle surprise. Mais c'est vrai que je frémis, je vous. Qu'est-ce que vous ressentez justement? C'est quoi qui est si fort? Je sais pas, c'est comme si c'était quelque chose qui se réveillait à chaque fois. Et j'aime la musique, j'ai été élevée dans la musique parce qu'on chante beaucoup chez nous. Mais je trouve que c'est un bonheur tellement immense. Moi, les pièces branlettes d'esprit avec trois Francis ou un porte-manteau, alors le monde est cruel, machin, c'est pas mon truc. Moi j'ai besoin j'aime ça. Je sais que c'est désuet, je sais que c'est. Mais c'est tellement bon de rêver et de voir la vie du bon côté. C'est une énergie qui fait du bien, moi. Je vais souvent à New York ou à Londres voir des comédies musicales parce que j'aime ça. Non, en tout cas, c'est... Ah, c'était un très beau cadeau, merci. Non, en tout cas, ça nous a fait plaisir. Voilà, la troupe de R, je le rappelle, qui est au Théâtre du Trianon à Paris jusqu'à fin mars. C'est un beau spectacle en tournée. Ils seront en Belgique, en Suisse et en France en tournée également. Alors, on a parlé tout à l'heure de l'enfance de Mimi. On s'intéresse à la vôtre pour savoir un petit peu qui on a en face de nous. L'enfance, c'est pas forcément le meilleur souvenir de votre existence. Quand vous en parlez, vous dites que c'est une période très très compliquée. Vous êtes né à Lunéville, en Meurthe-et-Moselle. Déjà, ça aide pas. Non, je rigole. Votre papa meurt à la guerre en 1940, donc vous ne connaissez pas vraiment. Votre maman reprend le salon de coiffure. Premières années de vie, vous dites pas rigolote, c'est la misère et la faim. C'est des mots très forts, mais c'est la réalité à ce moment-là. C'est la guerre, surtout. Donc, si vous voulez, moi, ce qui me fait rire, c'est que le livre, là, dont vous avez parlé tout à l'heure, c'est un livre qui vient de moi, parce que j'ai connu ça pendant la guerre, où il n'y avait rien. Mon Noël, c'est une orange. C'est pour ça que il m'arrive de me faire un jus d'orange le matin, par exemple, si je ne suis pas en forme pour prendre de la vitamine C, comme on dit, je me dis quel gâchis. Parce que quand j'étais petit... Moi, je me souviens, c'était tout le cadeau. On avait une orange emballée dans un papier d'aluminium. Et ce papier d'aluminium, il ne fallait pas le déchirer. Parce qu'il devait resservir l'année d'après. Donc ma grand-mère le repassait pour qu'il soit net, etc. Donc moi, c'est une époque pour moi pourrie d'enfance. C'est un truc dont ça m'est horriblement désagréable d'en parler. Et je n'ai pas de bons souvenirs. C'est pas un truc. Je ne trouve rien qui soit rigolo dans mon enfance avec lequel je puisse faire un numéro de claquette. J'ai rien de tout ça. L'adolescence, quand vous venez à Paris, vous inscrivez au cours Simon quand même. Oui. Et pourquoi, à ce moment-là? Parce que ma vie... Donc, cours de théâtre. Hein, mais parce que ma vie, pendant 15 ans, a été tellement con que quand vous avez vu Brasseur, Dankin, quand vous avez vu des gens comme ça, vous voyez d'autres personnages et forcément, ça vous donne envie d'être cet autre personnage plutôt que ce gamin nul qui est nul à l'école, qui a raté son certificat d'études, qui se fait engueuler, qui est destiné à ne pas réussir, à ne rien faire de sa vie et que là, vous dites, le théâtre, je vais être autre chose. Voilà. Et pour payer ses cours, il faisait du repassage toute la nuit. Je repassais pour... C'est ce qu'on est en train de nous dire. Vous faisiez du repassage pour payer vos cours. Oui, alors évidemment, ça fait rigoler quand on dit qu'effectivement, à 15 ans, je repassais. C'est-à-dire que je dis ça en riant, mais je sais par exemple ce que c'est qu'un plissé soleil et je sais repasser des plissés soleil, ce qui est quand même ce qu'il y a de plus difficile en matière de repassage. Tu fais quoi le mardi entre 17h? Si tu veux repasser tous mes plissés soleil, tu peux. Hein, je peux venir faire ton ménage, je sais repasser, je sais coudre, je sais un peu cuisiner. Je suis un joli parti. Il était très beau garçon, il était déjà habillé avec beaucoup de soins, beaucoup de recherches. On avait l'air de pécor à côté de lui, ce qu'on a toujours l'air d'ailleurs. On me dit que les gens avaient l'air de plouc à côté de vous, vous aviez déjà la classe. Qui se souvient encore de cette époque? Il n'y a que moi, évidemment, ce Bonnebourg. Vous saviez, vous, que Jean-Pierre avait fait des cours de théâtre, qu'il avait été au cours Simon? Ah non, je ne savais pas. T'en parles pas dans tes recettes, dans ton livre. C'est un très bon comédien, c'est pas du tout une pelure hein, comme acteur. Hein. Alors on le voit, on me confirme que vous êtes un très bon comédien. Et moi je me souviens d'un film de Marcel Pagnol qui s'appelait Le Schpoons avec Fernandel. Vous vous rappelez où il disait la même réplique
tout condamné à mort aura la tête tranchée, mais avec plein d'expressions, comme dans un cours de théâtre. Est-ce que vous accepteriez de rendre un petit hommage à Fernandel? Ben, tu lui mets le chemisier rose aussi. alors voici la phrase. On applaudit Jean-Pierre Coff pour l'encourager. Comme Fernandel, pensif. Est-ce qu'il faut la laisser mariner ou pas la queue de la langouste avant de la trancher, hein? On a jeudi, Jean-Pierre Coff. Alors, interrogatif. La queue de la langouste, est-ce qu'il faut la laisser mariner avant de la trancher? Bravo. Et enfin, c'est le plus dur d'après moi, je ne suis pas acteur. Fernandel faisait et terminait par comique. Je crois qu'il avait un fou rire un peu. Ça, il va vous le faire bien, vous allez voir. Je te dis, c'est impayable. Mais laissez-la mariner la queue de la langouste avant que de la trancher, voyons. Bravo. Ah, je vous remercie. Donc, effectivement. Le public, je suis sûr qu'une partie du public a découvert que vous avez pris des cours de théâtre, etc. Et qu'on va comprendre un peu comment vos deux vocations se sont croisées tout au long de votre existence. Mimi, la première fois que vous montez sur une scène, c'est où? Ben, sur une scène en amateur, c'est quand je faisais animatrice dans un club de vacances, oui, puisqu'il m'avait engagée pour faire les affiches et annoncer aux gens. Ah, ça, on a choisi la meilleure photo, là. J'avais pas beaucoup de sous à l'époque, c'est moi qui faisais mes jupes, donc... Et c'est vrai que j'aimais bien participer au spectacle, trouver des idées. Encore une fois, je faisais tout, je remontais tous les spectacles de Fulin. J'avais réussi à avoir des bandes-son playback. Et puis on écrivait des sketchs, des mini-sketchs. Et puis ouais, voilà. Mais tu t'es bien foutu de moi tout à l'heure parce que je picolais. Oui. T'as pas l'air de cracher dans la soupe non plus là-dessus. J'ai pas dit que je crachais dans la soupe, mais moi je le dis pas. Oui, mais tu le montres. Mais je le montre. Oui, mais... Sachez que ses parents n'étaient pas du tout contents qu'elle abandonne ses études pour faire de l'animation au village de vacances. Hein. Vous êtes au VVF, club de vacances, vous devez monter devant les autres, devant le regard des autres. Est-ce que vos parents, est-ce qu'ils trouvent ça super de vous voir comme ça sur une scène au début? Ben, ils n'ont pas peur de moi, ils ont peur des réactions des autres. Il faut dire que l'être humain en général n'est pas forcément gentil et que toutes les différences font peur, quelles qu'elles soient. Et c'est vrai que mes parents... Ça les a pas rassurés de me voir sur scène, mais ça les a peut-être rassurés de voir que même si le public était un public gentil, acquis, puisque la journée, je faisais les jeux de plage, je jouais au volet, je faisais des trucs, les gens suivaient, puis ils se sont dit que j'avais un peu d'énergie quand même pour faire ça. Votre père, il paraît qu'il dit « je pense que tu seras jamais en contact avec le public ». Oui, c'est ça, mais ça partait d'une très bonne intention de leur part. C'était surtout, faut pas qu'on me fasse mal. Mes parents n'avaient pas envie que je me prenne des beignes, parce que c'est vrai que jusqu'à ce que j'arrive, c'est sans aucune prétention, les gens de petite taille étaient forcément les méchants, les pierrales, tous ceux qui ont tourné dans les films de Cap et d'Épée. C'est forcément le méchant, le fourbe, le cruel, celui qui court toujours, qui atteint jamais rien et qu'on n'attend pas et qui meurt à la fin. Donc moi, je disais, non, moi, je vais être une star jolie, je vais vivre des histoires d'amour à l'écran, je vais prouver que ma différence, j'en veux à personne, quoi. Et moi, ce que je trouve mignon, c'est que vos parents disent ça, votre papa, il reconnaît qu'il s'est trompé. Et il n'y a pas que lui qui peut se tromper. Vous aussi, vous pouvez vous tromper même sur eux. Par exemple, vous pensez qu'ils sont nuls en informatique, vos parents. Ah oui, hein? Ça c'est sûr. Regardez. Bonjour Mimi, c'est papa. Et maman. Désolée, on n'a pas pu venir sur le plateau. On a été retenus au salon de l'informatique et des technologies de pointe. Mais bon, on a quand même voulu te faire un petit coucou avec la webcam. Coucou, ma grande. En plus, celle-là, elle est super. Elle est HD ready, 1080 points par ligne. Et si t'écoutes bien, tu t'apercevras qu'on a un son Dolby Surround dont tu me diras des nouvelles, ma grande. Ah oui, on voulait te dire, on a scanné des photos en haute def, mais elles sont trop lourdes pour te les forwarder par mail. Forcément, il y a plus de 800 mégas, c'est ton père ça, hein. Il ne jure que par le 700 DPI. Justement à ce sujet, je ne me souviens plus, est-ce que tu as un serveur FTP sur ton site? Sinon,
On comprend en ce moment qu'on te fait un album sur Picasa Web ou un DVD sur Final Cut avec une animation musicale. Au pire, si tu peux pas faire autrement, tu nous envoies ta clé USB par la poste. Je sais, c'est pas très moderne, mais il faut que tu fasses un effort et que tu vives enfin avec ton temps. Bon, Mimi, on te laisse parce qu'il y a ta sœur sur Facebook. Et Colette sur Skype. Ben oui, on a MSN qui bug. Allez, bisous ma grande. À bientôt. Ils sont formidables. On les applaudit très très fort. Ils ont dû répéter, hein. Ils étaient avec Charles Hudon, un de mes collaborateurs, qui est allé les voir à Lyon. Effectivement, ils ont beaucoup ri. Il m'a dit, on rêverait tous d'avoir des parents communs. Pour eux, c'est parler anglais, hein. C'est pareil. Ah non, mais j'ai offert un ordinateur à papa il y a quelques années. Et j'ai une de mes frangines qui n'a pas de bol, elle habite à côté d'eux. Donc chaque fois qu'il oublie un truc, il appelle. Et il y a un de mes neveux qui va en disant, Florian, tu peux pas venir parce que je sais pas ce que je fais, je ne retrouve plus les photos que j'ai rentrées. C'est une catastrophe. Il m'a promis qu'il allait prendre des cours de... Je voulais leur faire installer Internet. Maman qui fait, oh bah non, ça sert à rien, de toute façon. Il va pas savoir s'en servir, alors... Mais ils sont super. Et j'ai la chance de les avoir, c'est ça qui est génial. Bon, en tout cas, moi, je voudrais les remercier très sincèrement, personnellement, d'avoir joué le jeu. Quand on est au VVF, c'est quand même unique dans une existence. Il y a quand même, à un moment donné, quelqu'un qui vous dit, bah, il faut que tu montes sur scène. Quelqu'un qui croit en vous avant tout le monde, finalement. Oui, au VVF, c'était mon chef animateur, Jean-Alain Saturne. Jean-Alain Saturne, qu'on applaudit très fort. Alors là, il a le sens du saut, on ne lui a pas demandé ça. Hein. Asseyez-vous. Jean-Alain Saturne, ah, oui. Que vous avez connu au VVF. Ah oui, oui. Et ce garçon vous dit, monte sur scène, il croit en vous. Ah oui, mais heureusement qu'il était là parce que en plus ça a été mon chef. Moi j'ai jamais été chef au VVF. Et puis on a commencé à travailler ensemble. Lui il avait la même passion que moi pour les spectacles, faire inventer, créer, et écrire et faire rire et faire un peu rêver les vacanciers quoi. Et c'est vrai qu'il y a cru beaucoup. Il y a cru à tel point que quand il a fait une saison d'hiver, il m'a dit je t'emmène avec moi. Et puis non. Tu as dit « Je viens avec toi ». Oui, non, c'est vrai. Elle avait déjà la niaque. Oui, je dis « Tiens, je ferais bien une saison d'hiver avec toi ». C'était au Ménuire. Et puis, il y a juste un détail qu'il avait oublié de préciser à la directrice du village vacances dans lequel on était. C'était moi. Il lui dit « Je vais vous présenter quelqu'un ». Et donc, j'arrive dans la pièce. Elle ne savait absolument pas qui j'étais. Et elle voit débarquer un petit truc de 1m32. Elle le joue très bien. Je sors deux minutes, elle fait... Et il l'a convaincu, il a eu cette force de la convaincre en lui disant, mais donne-lui sa chance, et donc voilà. Donc, elle m'a donné ma chance, elle ne l'a pas regretté. Et j'ai continué. Et je remercie c'est à Jean-Alain. Aussi, il a fait encore plus fort. Jean-Alain, il a fait encore plus fort parce que mes parents, donc je leur avais dit, ça y est, j'arrête ma licence de sciences éco, je pars à temps complet faire les saisons d'hiver et d'été comme animatrice. Et moi, hypocrite, je dis à ses parents, oui, c'est un métier d'avenir, elle peut devenir directrice de village de vacances. Et les parents m'ont dit, être derrière un bureau, comme Jean-Alain, on a confiance en vous. Sauf qu'à la même époque, je fais ma première saison d'hiver, j'en ai fait qu'une, Fugain passe les auditions pour l'atelier à Nice. Et là, il me dit, j'écris une chanson en vitesse, je lui envoie, il me dit, bon, bah, ok, viens nous voir. Et je suis prise. Donc là, j'appelle mes parents, si vous allez rire. Je pars à Nice dans l'atelier de Michel Fugain. Ils me disent, combien t'es payé? Je dis, ah ben non, mais c'est des cours, on paye. D'accord, ok, mais comment tu vas faire? Je sais pas. Mais tu peux pas faire ça, là j'en ai là qu'ils appellent. Écoutez, j'ai pris le téléphone, donc j'ai parlé à ses parents en disant Mimi, elle a le talent, il faut qu'elle le fasse. Même si elle perd un an de sa vie, qu'est-ce que c'est qu'un an dans la vie d'une femme? C'est rien du tout. Il faut qu'elle le fasse, il faut pas qu'elle se dise plus tard, si j'avais su. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Et voilà, et ça a marché. Jean-Alain, merci d'avoir été là en tout cas. Merci beaucoup. Le canard, je m'appelle. Le canard. C'est mon canard. Merci beaucoup d'être venu. On va te parler par la grande porte, Jean-Alain. Merci beaucoup. Jean-Alain Saturnin. Alors, pour ce qui vous concerne,
Effectivement, on a parlé tout à l'heure de votre vocation de comédien. Vous avez été stoppé dans votre élan par le service militaire, puisqu'on vous retrouve quelques années plus tard dans la vraie vie, avec un métier normal, dans une agence de publicité comme directeur. Quel genre de directeur ? Directeur sympa ou méchant. Directeur un peu impressionnant ? Impressionnant, il faisait pleurer les secrétaires. Écoutez... On me donne des infos, alors dites la vérité. C'est tellement loin de moi, je ne me souviens plus du tout. C'est facile. Il y a des gens qui s'en souviennent, qui disent qu'il pouvait faire pleurer les secrétaires. Oh non. Parce qu'il ne voulait pas les toucher. Pardon ? C'est parce qu'il ne voulait pas jeu, les toucher. C'est un jeu, mais il le faisait pleurer. Tu sais. C'est. La mauvaise foi, il sait pas ce que c'est. Il fait pleurer les secrétaires et les carottes. Exactement. Non, attendez, alors, est-ce qu'on peut donner d'autres infos ? Comment il faisait pour avoir un gros budget publicitaire, par exemple ? Il allait pleurer dans le bureau du maire. C'est lui qui pleurait, là. On me dit que vous, comme comédien, vous utilisiez votre talent, vous pouviez pleurer dans le bureau du maire pour avoir en charge le budget de la communication de la ville. Ah, oui, bien sûr. Oh, mais je vois quel est le voyou qui a fait ça. Effectivement, le jeu, c'était de décrocher le budget des Jeux Olympiques de Grenoble. Bah c'est oui. À cette époque-là qu'il m'est arrivé mon aventure en moto. Et comment vous faites pour décrocher ? Il paraît que vous êtes... Il dit au maire, si vous ne me le donnez pas le budget, ma carrière est finie. C'était M. Dubedoux qui était en face de nous, le maire de Grenoble, et il fallait évidemment le convaincre qu'on était les meilleurs, etc. Et là, j'étais capable de tout, évidemment. On me confirme. J'aurais pu pleurer. On me confirme. Vous avez le budget, c'est quand même énorme. Ça vous dépasse un petit peu. On lui demande de faire des spectacles dans Grenoble. C'est ça. C'est que vous organisez des spectacles, il y a plein de gens, c'est ça, 5000 places, il me semble. Non, mais c'était un truc de fou, parce que nous étions deux, Patrice Lafont et moi, et alors on avait grâce à Patrice Lafont, on avait eu un super affiche, quoi, beaucoup de... Ella Fitzgerald. On avait fait venir Ella Fitzgerald. Oui, ça. Il lui avait donné des fleurs à sa secrétaire. Un truc de fou. On avait un petit détail. Vous deviez lui donner des fleurs, mais vous ne l'avez pas donné à Ella Fitzgerald. Vous savez, quand vous n'avez jamais vu Ella Fitzgerald de votre vie et que vous voyez descendre d'un avion privé deux dames qui ont la même couleur, le même manteau, la même toque de fourrure et la même allure. Alors... Moi, je me suis dit, logiquement, ça doit être son assistante ou je ne sais pas qui descend la première pour que derrière, Ella Fitzgerald ne se casse pas la figure dans l'escalier. Donc, la dame passe, je dis bonjour madame, et j'arrive avec ma grosse tête de fleurs et je la donne à la dame qui n'est évidemment pas Ella Fitzgerald, mais son assistante, sa secrétaire. Donc, j'ai évidemment eu l'air d'un imbécile. Que celui qui raconte ça soit pas très fier de me faire passer pour un con. Parce qu'en plus... Mais bon... En plus, elle se vexe, elle le refuse de dîner avec vous. Oui, évidemment. Il a quand même dit qu'il fallait lier un palan pour la descendre de sa loge. Ridicule, difficile, etc. Et qu'est-ce qu'il peut raconter ? Il y a des gens qui balancent, qui disent qu'effectivement, elle était très imposante. Je ne sais pas pourquoi on n'avait pas prévu ça. Il n'y avait pas de loge, évidemment. C'était des roulottes. Et elle ne pouvait pas rentrer dans la roulotte. Évidemment, bref. Bon. C'est gentil de venir ici pour apprendre des souvenirs désagréables comme ça. Je les avais oubliés. En tout cas, merci de les raconter. Mimi, en parallèle, on en était à l'atelier Fugain. Vous réussissez l'audition, c'est quelque chose d'énormissime. Et vous faites votre premier clip vidéo. Oh. C'était pour Céron. Ben, on me dit Céron te demande. Et moi, Céron, j'avais. C'est pour les rendez-vous du dimanche que présentait Michel à l'époque. Michel Drucker ? Oui, ce sera réalisé par Rémi Grumbach. Je dis, ça va, c'est un truc bien, quoi. Et donc, je pars à Monte-Carlo. Et là, je vois quatre mannequins superbes. Je me dis, qu'est-ce que je fais là ? Il me dit, alors, c'est très simple, vous allez être dans l'eau toutes les cinq à poil. Je fais, ah bon ? Et puis vous sortez, mais on verra rien. Et puis il y a Céron qui chante sur la plage. C'est super, mais je dis au revoir, merci. Paf, je remonte dans mon petit train qui me ramenait à Nice. Il fait, l'assistant qui me court après, il fait on va s'arranger. Donc je reviens vers Rémi Grumbach, je disais comment je serai habillée ? Je lui ai posé cette question toute la journée, comment je serai habillée ? Il dit non, mais on va changer le plan de tournage. Alors on est dans un hôtel. Et tout d'un coup, il y a la direction qui vient frapper à la porte, qui dit « Qui c'est cette nana à poil dans l'ascenseur ?» C'était pas Jean-Pierre. Et donc, ils avaient commencé à tourner, mais sans demander l'autorisation. Donc, il y avait une nana à poil, puis c'est Ron qui chantait à côté. Oh,
Donc, on est viré de l'hôtel. Je me dis, mais dans quoi je suis? Et puis, finalement, on a tourné dans un immeuble en construction. Et moi, c'est complètement débile ce que je fais. Je passe derrière, dans une chorégraphie absolument sublime. Il y a les femmes devant qui sont à moitié à poil. Et puis, bon, je passe comme ça. Regarde, c'est très avant-gardiste. Ah, c'est très con. Voilà. C'était n'importe quoi. Mais de toute façon, vous l'avez vu, évidemment, il rigolait, il se moquait un petit peu de vous. Vous pouvez à votre tour vous moquer de lui, parce que lui aussi a ses casseroles au cinéma. Ah. Alors, je dis casseroles parce qu'évidemment, ça fait bizarre de le voir aujourd'hui. C'est un film de Jean-Michel Barjol, ça s'appelle What a Flash. Oh, mon Dieu. On est en 1972 et déjà, vous vous mettez en colère, regardez. Il n'y en a pas. Faudrait faire des œufs durs, mon petit bonhomme, qu'on va se faire une... Tu vas pas faire du café maintenant? Ah bah alors, amène. Ça chauffe? Ça chauffe, oui, je crois. Faut appeler un régisseur, mes enfants. Faut faire fonctionner que ça fonctionne. Attention, ne me bousculez pas. Appelez un régisseur, appelez un... Ah, de la propreté, autrement ça va être compté. Regardez-moi ça, on n'est pas avec des sauvages, enfin. Oh là là, les planches de travail vont être insupportables. Il y en a un qui est celui du bout, là, il marche, là-bas. T'as pas vu les gogues? Oh là. C'est une catastrophe. Direct, pas plus avoir envie de chier aujourd'hui pendant 3 jours. C'est une catastrophe. T'as pas vu les gogues? Oh, la sanitaire, elle est florante. Ouais, expliquez-nous. Expliquez-nous un petit peu. Il y avait... des bassines de coke partout, il y avait de l'éther à boire comme si c'était de l'eau minérale, et en l'espace de 2 heures, tout a été une catastrophe épouvantable. Moi, je me souviens, j'étais dans un endroit où il y avait un môme qui était à l'éther, et alors il était... il montait comme ça sur une rambarde. Il buvait un verre d'éther et il disait « Je suis un oiseau, je vole ». Et il volait, et il tombait, il était assommé. Alors on descendait à toute vitesse, on lui foutait 3-4 claques, on lui faisait respirer 2-3 trucs pour qu'il... Et toute la soirée, c'était comme ça. Moi, je suis resté un jour et demi, parce que ça me faisait peur. Les gens, c'était une espèce de délire grotesque où les gens étaient à poil au bout d'une demi-journée. Il y avait des pots de peinture qui circulaient, donc tout le monde essayait de se badigeonner l'un. Ça fait beaucoup d'entrées, celui-là. Le poil de l'autre. Écoute, c'est devenu une orgie en l'espace de 4 heures. Et pour sortir de cet endroit où on était censé être enfermé, où on n'avait pas le droit de sortir, et moi je venais de subir une intervention chirurgicale et j'avais une canne. Et alors je demande à sortir, on me dit, vous savez bien que vous n'avez pas le droit de sortir. Et alors j'étais tellement en colère et tellement énervé de me retrouver là-dedans, parce que je ne m'amusais pas. Et je suis allé voir le Cerbère qui était à la porte, je lui dis, voilà, on a envie de sortir. Il me dit, non, vous n'avez pas le droit. Je lui dis, tu vas nous laisser sortir, s'il te plaît, oui ou non? Non, vous sortez pas. J'ai pris ma canne, pac! J'ai dit, maintenant, t'ouvres la porte, tout de suite. Le mec a ouvert la porte, j'ai dit, allez, tout le monde, venez, on sort, on est parti. Et on s'est retrouvé chez... Et on s'est retrouvé chez moi, à la campagne, où là, on a bu. On a fait la même chose. On a mangé normalement. Et on était habillés. Mais c'est un film culte. Hein, et je voudrais d'ailleurs en profiter pour dire qu'ils sortent le 8 avril en DVD. C'est Jean-Michel Barjol qui sort mes premiers films en DVD. Je voudrais le remercier de nous avoir donné cet extrait. Mimi, vous quittez la bande à Fugain après une émission de télé qui tourne au cours à la télévision sur TF1. Oui. Il paraît qu'à ce moment-là, vous avez envie d'arrêter. Vous êtes découragée. C'est vrai, vous retournez à Lyon et vous êtes un peu... Non, c'est ma maman qui avait envie que j'arrête. Ah. Ma maman me dit toujours avec son administration, et si tu revenais passer un petit concours administratif? Je dis, maman, écoute, maintenant, ça fait 2 ans que j'ai arrêté, je continue. Et là, c'est vrai que j'ai eu la chance de rencontrer, au cours de cette émission Fugue à Fugain, qui ne restera pas dans les annales, mais j'ai eu la chance de rencontrer un metteur en scène de Café Théâtre, Jean-Claude Martin,
copain qui venait de monter les tranches de vie de l'osier au point virgule, ça marchait bien. Il me dit mais fais un spectacle toute seule. Donc on s'est mis à écrire avec Didier Biosca, qui était aussi élève de l'atelier Fugain, et on a écrit le premier spectacle, Elle voit des géants partout, qui a été produit, mis en scène par Jean-Claude Martin, qui est aussi une de mes chances dans ce métier. Je crois que la vie est faite de gens qu'on rencontre, de marches, et faut monter ces marches petit à petit et prendre les mains qu'on vous tend, quoi. Elle arrivait à dire des choses sur elle que personne n'aurait jamais écrit. Et c'est ça, c'est cette époque-là où vous êtes appelé par Philippe Bouvard. Vous n'y croyez pas? Ah oui, parce qu'on avait pris un attaché de presse formidable. On avait pris un attaché de presse, puis l'émission de Bouvard démarre, et Jean-Claude Martin lui dit ce serait peut-être bien qu'elle aille à l'émission de Bouvard, ce serait bien, ce serait un bon tremplin. Il dit, mais on ne va pas la faire passer à la télé. Il a été viré le jour même. Hein. Et puis Bouvard m'a fait appeler, en fait, puisqu'il envoyait ses assistants voir tout le monde. Et puis quand je suis arrivée, il m'a dit, vous m'intéressez, ça m'intéresse. Et ça a été aussi une autre marche dans ma vie, le théâtre de Bouvard. Parlez-lui de son trac à ce moment-là. Qu'est-ce qui se passait quand elle avait le trac, avant d'entrer en scène? Et quand vous aviez le trac à l'époque, qu'est-ce qui se passait pour vous? Quand j'ai beaucoup le trac, je fais pipi, moi. Ce qu'on nous explique. Je vais faire pipi 10 fois. Parce que je suis allée dans sa loge. D'accord. Parce que moi, j'ai pas de toilette dans ma loge. Vous citez des gens comme ça, vous disiez un nom, il y a un instant, c'est Jean-Claude Martin, c'est Jean-Claude ça Jean-Claude Martin, vous disiez, oui. La place qu'il peut avoir dans votre vie, c'est quoi? Pour que le public réalise, ça veut dire quoi? C'est le premier qui m'a mis sur scène vraiment et qui m'a dit, tu es capable de faire venir des payants dans une salle, quoi. Oui, mais t'as bien payé. On applaudit Jean-Claude Martin, qui est visionnaire. Vous allez s'installer, Jean-Claude, tout près de Mimi. Alors, effectivement, vous étiez là avant tout le monde, là aussi. On l'a dit, les Français l'adorent, et vous l'avez connu avant que les Français l'adorent. Et à ce moment-là, vous l'encouragez, vous la poussez. Un talent énorme, alors... Un vrai talent de comédienne. Oui, et puis un courage et... le sens du boulot comme j'ai jamais vu. Elle faisait pendant une heure, elle chantait, elle dansait, elle jouait la comédie. Au bout d'une heure, comme tous les metteurs en scène, il y a toujours un moment où on dit « Oui, ça manquait un peu de rythme », elle dit « Ben, on recommence ». Et elle refaisait l'heure entière, ce qu'en général, les comédiens font pas, parce que les comédiens, en général, c'est « Ah ben non, attends, je suis fatigué ». D'ailleurs, là, il y a quelque chose qui était assez drôle, c'est que la première fois qu'elle est venue saluer au public... Après une heure de spectacle, donc de fatigue, d'énergie, on la voit. Eh ben, elle est venue saluer. Mais qu'est-ce que j'ai dit, là, à ce moment-là? Il m'a dit, t'es jamais fatigué quand tu salues? Parce que je suis venue saluer, tu sais, j'avais vu dans des pièces et tout. C'est genre... Avec tout ce que j'ai pu faire. Merci, j'ai donné. J'ai dit, non, vous oubliez les saluts. Il faut que tu montres que tu peux en refaire encore un de spectacle. Pour préparer l'émission, vous nous avez décrit une scène que vous avez vécue. Vous êtes avec ses parents, les parents de Mimi. Oui, parce que ses parents, on était au petit café qui était en face, on buvait un pot. Et puis, il y avait une file d'attente qui faisait tout le trottoir, qui tournait, qui continuait. Ils ne pouvaient pas tous rentrer dans le théâtre. Et donc, je suis sorti et j'ai demandé à sa maman de venir. Sa maman est venue et je lui ai dit, vous savez ce que c'est, ça? Elle a regardé, elle me dit, ça fait du monde. Hein. Et je lui ai dit, vous savez que c'est pour votre fille? Et là, elle m'a regardé, elle m'a dit, ah, si je tenais le chirurgien qui m'a parlé d'elle quand elle est née, je l'étrangle. Ouais, c'est vrai. Oui, parce qu'on avait dit que je ne dépasserais pas 60 cm. Alors que... Mais je suis tellement têtu que je suis arrivé à 1m32. En tout cas, merci d'avoir été là. Jean-Claude Martin, merci beaucoup. Merci d'avoir été là. Merci. Jean-Pierre, on se souvient tous de votre apparition à la télévision, c'est un personnage, vous avez rapidement votre marionnette au guignol de l'info, qui brandit des saucisses en permanence, qui est les colères sur commande, il y a même une productrice un jour qui vous demande de vous mettre en colère juste avant ou juste après la pub. Ça c'est en Suisse, c'était donc l'horlogerie suisse, je fais faire une promo pour un livre, et la dame me dit, dites-moi, vous pourriez vous mettre en colère, je me souviens très bien de l'heure, elle me dit, à 21, si vous pouvez commencer à 21. Donc c'est vrai que c'était, parce que vous étiez d'une indépendance incroyable, tout le monde se souvient de votre combat contre le jambon polyphosphaté, c'est ça? Bravo. Que vous avez gagné d'ailleurs comme combat, on peut le dire. Hein. Non mais la malbouffe a reculé depuis 20 ans. Oui, c'est vrai. Hein, et donc moi je suis assez étonné, parce que j'ai l'impression qu'autour de moi, tout le monde sait faire Jean-Pierre Coff. Vous savez faire Jean-Pierre Coff, vous? Non. C'est de la merde. Oh non, c'est pas mal. C'est pas mal. Spontanément. Ça, c'est pas bien. Je sais pas, c'est ce que tu dis souvent.
Non, je suis pas très bonne. Mais c'est pas mal. Moi, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on fasse une sorte de petite Jean-Pierre Coff Academy avec les gens du public, rapidement, pour voir qui vous imite le mieux? Alors, attendez. Alors, je vous laisse vous présenter rapidement, monsieur. Votre prénom, vous venez d'où? Alors, je m'appelle Alain et je viens de Marmande, dans le sud-ouest. Ouais. Tentez votre chance, monsieur. Achetez mon livre et faites mes recettes, parce que le reste, c'est de la merde. Bon. Non, mais c'est comme l'autre émission, vous pouvez être sévère, hein, qu'est-ce qu'on en pense? Bon, je vous laisse rentrer chez vous, monsieur, merci beaucoup d'être venu. Jean-François de Sèvres. Alors, vas-y, Jean-François. Achetez mon livre et faites mes recettes, parce que le reste, c'est de la merde. C'est pas mal, pas mal. Pour l'instant, vous tenez la corde. On vous écrira. Serge de Gironville-sur-Essonne. D'accord. Descendez-le, Serge. Descendez le micro, Serge. Parce qu'on va pas vous entendre. Voilà. Achetez mon livre et faites mes recettes, parce que le reste, c'est de la merde. Oh, c'est le vainqueur, non? Merci, merci beaucoup en tout cas d'avoir joué le jeu. Je laisse manger la saucisse. Merci beaucoup. Ah, allez, attendez. Au concours de Jean-Pierre Coff, Jean-Pierre Coff va tenter sa chance. Attention. Non, tu n'arrives pas à l'imiter. Jean-Pierre Coff Academy. Tu n'arrives pas à l'imiter. Avec les lunettes blanches, s'il vous plaît. Ah non. Ah. C'est honteux. C'est quoi ça? Comment vous donnez une demi-saucisse comme ça? Vous pourriez en donner une entière quand même. Une entière, alors, il faut que je lise. Une entière pour Jean-Pierre, c'est plus... Mais comment ça se fait que c'est... Je vois rien avec ces lunettes là, elles sont acquises. Ah ben voilà. Déjà, plus à l'aise. J'arrive pas à lire, par contre. Bah, tu... Achetez mon livre, parce que le reste, c'est de la merde, tu dois dire. Oui, c'est ça. Et faites les recettes. Achetez mon livre, mais si vous en avez envie seulement, les autres, c'est de la merde. Ouais. Merci beaucoup. Comment on faisait à l'époque? Merci beaucoup. Mais effectivement, c'est pas banal. Il n'y a pas beaucoup de gens comme ça qui ont une identité telle qu'en quelques mots, et elle l'a fait spontanément, Mimi, mots. C'est l'image qui me vient, c'est la phrase qui me vient à l'esprit dans le grand Jean-Pierre Coff qu'on connaît, quoi. Voilà. C'est de la merde. C'est gaffe à toi. Ah bon. Il y avait une question que quelqu'un voulait vous poser, regardez. Bonsoir Jean-Pierre, je suis désolé, j'aurais aimé être là, mais je ne suis pas à Paris, je suis aux États-Unis. Comme en témoigne l'horaire derrière moi, 14h48 avec le décalage, je suis à Seattle pour la remise des 7 d'or, hein, les Golden 7, puisque je présente la météo outre-Pacifique. Et donc voilà, juste un petit mot pour vous dire que on a bossé 6 mois ensemble, mais c'était formidable. Et puis j'ai envie de briser un tabou, de poser les questions qui suscitent questionnement et peut-être qu'ils vont fâcher, mais voilà, vos lunettes, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez des grosses lunettes ou une petite tête? Parce qu'il y a un ratio entre les deux qui fait qu'on n'arrive pas à savoir. Et deuxième question, est-ce qu'un publicitaire, une grande marque, ne vous a pas proposé de remplacer soit Antoine, soit Johnny pour faire une pub? Parce que vous, en chemise à fleurs sous un palmier ou avec un perfecto sur une moto, sur la route 66, j'y crois. Voilà, je vous embrasse. Bonne nuit. Jonathan Lambert qui était très déçu de ne pas pouvoir être là et qui a une question qui est une vraie question. Qu'est-ce que c'est sur les lunettes? Pas sur une moto. Non, pas les motos, on sait que c'est pas bon. Non, les lunettes, c'est quoi l'idée du look? C'était quand? Avant la télé ou après? Non, mais c'est un hasard complet. C'était bien après la télé. C'est il y a quoi? 5 ans, je sais pas quand, depuis quand j'ai des lunettes. C'est un accident absolu. C'est une dame qui habite chez moi, qui habitait dans mon immeuble et qui tenait un magasin de montures. Et je passe dans la rue du Dragon où était son magasin et elle me dit, vous n'avez jamais visité mon magasin. Je savais pas qu'elle avait un magasin, donc je pouvais pas le visiter. Et je rentre dans sa boutique et j'essaie une paire de lunettes comme ça. Et je trouve ça rigolo et ça me rappelle Marcel Achard. Oui, tout à fait. Et par ailleurs, il y a une question qui est beaucoup plus intéressante pour tous les gens qui nous écoutent. Est-ce qu'il y a un rapport entre les lunettes, la taille de mes lunettes et mon sexe? Je réponds oui. Mais c'était pas ça la question. C'était la question. En sous-texte. Donc, effectivement,
On se souvient du succès au théâtre de Bouvard. On se souvient de ces succès colossaux que vous vivez avec les filles, Michel Bernier, Isabelle de Botton, sur les routes. Je veux savoir, en tournée, comment ça se passait quand vous étiez dans des petits hôtels, les gens vous offraient à manger. Est-ce qu'elle se souvient de ce qu'elle fait quand on lui offre un super goûter dans un hôtel et que c'est des fromages qui puent et qu'elle veut absolument pas les manger? Alors qu'est-ce qu'elle en fait, ces fromages? On vous offre un goûter parce que les gens sont ravis de vous recevoir dans un hôtel et ce sont des fromages qui sentent très très fort. Qu'est-ce que vous en faites à ce moment-là? Ces fromages qui sentent très très fort. C'est le même hôtel où elle a failli s'électrocuter parce que le monsieur avait gentiment... Je suis dit. Parce qu'il avait gentiment enlevé le sommier. Il pensait que Mimi était plus petite encore que ce qu'il pensait. Et il avait enlevé le sommier. Donc son matelas était par terre. Raconte-moi toi l'histoire si tu la connais mieux. C'est le même hôtel. C'est l'hôtel dans lequel vous avez failli vous électrocuter parce que le monsieur avait cru vous rendre service en mettant un matelas par terre. Et... Oh. Ça revient. Ça revient. Ah oui, on arrive. Alors, c'est quoi cette histoire? Ah non, mais c'est, les fromages, ça me dit, si, bien sûr, mais bien et sûr. Et le matelas, alors c'est-à-dire qu'on arrive dans un hôtel, toutes les trois. C'était soi-disant un relais château, mais c'était qu'un relais, il n'y avait pas le château. Hein. Et le mec très gentil, très prévenant, qui vient voir Michel Bernier et qui lui dit, j'ai tout fait pour que votre ami soit à son aise. Enfin, on n'a jamais aménagé une chambre d'hôtel pour moi. Et donc, j'arrive dans ma chambre, il me fait, vous avez vu, la baignoire est très basse. Je dis, bah oui, il n'y a pas de problème. Et j'arrive près de la salle de bain, je vois le lit. Et là, il avait enlevé tous les pieds du lit. Il avait mis le sommier par terre pour que je puisse me coucher tranquille. Sauf que ce couillon, c'était vraiment un hôtel pourrave. Et c'était encore les appliques, tu sais, que tu éteins quand t'es couché, tu éteins, t'as deux interrupteurs. Sauf que les interrupteurs étaient à 2 mètres de haut. Donc je me couche, mais je peux pas éteindre, moi. Donc je suis allée chercher Michel qui est venu éteindre mes lumières. Et puis après, déjà pour fermer les volets, tous les volets étaient fermés. J'ouvre le premier volet qui tombe. Les volets en bois immense, les fenêtres immenses, ils tombent. Et effectivement, il nous dit, je vous ai préparé une petite collation. Ça y est, ça me revient. Et l'électrocution, pourquoi enfin... vous avez failli vous électrocuter? Pourquoi est-ce qu'elle a failli s'électrocuter? Je vais vous expliquer, parce qu'en fait, le mec, plutôt que de remettre le sommier, il lui a dit, comme elle voyait rien en plus pour bouquiner, les appliques étaient trop hautes, il lui a dit, je vais vous arranger ça. Il avait passé des fils électriques partout sous le matelas. Je ne sais pas pourquoi j'ai failli m'électrocuter. Parce que comme les interrupteurs étaient trop hauts, il a tout organisé et il a fait passer les fils sous le matelas. Ah oui, c'est vrai, oui, oui. Oh là là, non mais il a failli me tuer, ce mec-là. Et effectivement, une collation, il nous amène un pot, tu sais, les pots à conserve avec le couvercle, là, dans lequel des fromages trempaient. Mais depuis, je sais pas quelle année. Si vous voulez une petite collation, je fais. Les filles, ça vous dit? Non, bah non. Non, on fait très attention en ce moment. Vous étiez un monsieur très prévenant, quand vous m'avez scié les pieds du lit. Il y a quelqu'un qui voulait vous poser une question. Salut Mimi. J'espère que tu vas bien. Et en fait, aujourd'hui, je profite de ce moment pour te dire un truc que j'ai sur le cœur. Et je pense que comme on est amis, c'est le moment, quoi. En principe, les artistes arrivent en retard. Toi, jamais. En principe, les artistes font pas à manger aux autres, et toi, tu nous fais à manger. En principe, les artistes sont énervants ou énervés parce qu'ils attendent ou parce qu'ils sont impatients, et toi, jamais. En principe, on boit un petit verre de vin à table, ce qui est normal. Toi, tu bois pas. On peut fumer une clope aussi, tu sais, c'est pas non plus. Toi, tu fumes pas. Alors, je t'en prie, Mimi, s'il te plaît. Arrête, parce que tu es en train de détruire tout le mythe, quoi. Je peux plus arriver en retard, je peux plus fumer, je peux plus boire, je peux plus rien faire à cause de toi. Alors voilà, s'il te plaît, arrête. Merci. En tant qu'ami, je te demande ça, c'est un service. Excuse-moi. C'est tes parents qui m'ont envoyé un mail. Je sais pas qui leur a donné le numéro, mais... Ah ouais. Donc, Patrick, profite de ce moment pour dire à Mimi qu'on l'aime tendrement. Ouais, ça, tu le sais. Et qu'elle arrête d'être aussi ponctuelle. Bon, ben, écoute. T'as compris, Mimi. Il t'embrasse très fort. Et moi aussi. Ciao.
Donc Patrick Fiori vous accuse, c'est une accusation, de détruire le mythe de l'artiste qui se laisse non, aller. Mais c'est vrai que je bois un peu aussi quand même, il exagère. Je bois pas quand je travaille, effectivement, mais je fume pas, je me drogue pas, j'aime pas ça, c'est pas, j'ai pas de mérite. Mais je suis ponctuelle, ça c'est vrai. Je suis pas ponctuelle, je suis toujours en avance. D'accord. Ce qui énerve beaucoup mon mari, entre autres. Ça c'est vrai, hein. On part pour un rendez-vous à 14h, on part à 11h. Hein. Et on a 500 mètres à faire, hein. Et ça je vous le confirme. Pour un rendez-vous à 14h, vous partez à quelle heure? On me dit vers 11h, pour être sûr d'être à l'heure, même si c'est à 500 mètres. Non, mais ça dépend. Non. Quand je dis à mon mari, on part à quelle heure, ben, il me dit on part à 19h, ok. Donc à 19h moins 10, je suis devant la porte, je fais bon, on y va. Il me fait bon, on a dit 19h. Alors du coup, il speed toujours, il oublie toujours quelque chose. Mais je tiens ça de mon père. Le public se régale tous les dimanches. On vous retrouve chez Michel Drucker, aux côtés de plein d'autres gens, notamment Claude Sirillon, etc. On leur avait demandé de dire un petit mot gentil sur vous. Mona surpris une conversation. Alors Claude, ouais. Tu connais l'émission Panique dans l'oreillette? Ah oui, avec Frédéric Lopez. Ils m'ont téléphoné. Vous tournez pas là, c'est off ça. Non, vous tournez pas. Donc... voilà, on m'a dit, fais un petit message à Jean-Pierre, il est invité. Ouais, sympa. Bon, c'est une émission assez drôle, j'ai déjà participé de l'intérieur un jour. Le problème, c'est qu'il faut amener des infos nouvelles. Mais alors, on est obligé de remonter loin parce que, attends, c'est... C'est-à-dire, en principe, dans cette émission, on apprend des choses sur l'invité alors, que le téléspère ne connaît pas. Et nous, on connaît plein de choses sur Jean-Pierre, mais est-ce qu'on peut les dire? Est-ce qu'on commence sur René Coty, Vincent Auriol, le moment non, où mais, ils est-ce, étaient... est-ce qu'on raconte sa liaison avec Madame René Coty? Oui, je crois que maintenant il y a prescription. Oui, on peut le faire. Mais oui, il va pas mal le prendre. Mais surtout que c'était une belle histoire d'amour, hein, tu sais. Ouais, ouais. Mais il avait déjà eu quelque chose avec la femme de Vincent Auriol. Non, c'était une histoire de cuisine. Tu te rappelles pas? Il lui avait fait une. Il lui avait fait une langue de bœuf. Une langue de bœuf sauce gribiche. Oui. Alors ça va. Et le président l'avait mal pris. Il avait mal pris. Ouais, bon, oui. Je sais pas si on peut dire ça. Est-ce qu'on peut parler également de sa rupture avec Geneviève de Fontenay? Ça, c'est plus délicat, parce que tu sais, ça a été douloureux, hein, entre eux. Hein. Je crois qu'elle a mal pris une pseudo-liaison avec Roselyne Bachelot. Tu sais, c'est né ici. Ah, oui, mais c'était né ici. Attends, quand Roselyne Bachelot était venue, elle était habillée en rose. Ouais. Et Jean-Pierre... Les sorties étaient roses aussi. Et alors, ce qui est quand même étonnant, je ne sais pas si tu te souviens, Jean-Pierre avant, toujours strict, plutôt comme nous, sombre et tout, il met que des couleurs maintenant. Depuis qu'il a rencontré Roselyne. Depuis qu'il a vu Roselyne. Ouais. Il y aura un avant et un après. Moi, je pense que c'était torride. Est-ce qu'on peut dire aussi qu'on l'a connu avec les... les cheveux. Francis Lalanne. Ah, il ressemblait à Francis Lalanne au départ. C'était entre les deux guerres, non? C'est en 23. En 23. Octobre 23. Ah ouais, c'était pas mal. Et puis il y a eu la Coupe du Monde 98. Et alors là, je sais pas pourquoi ce qu'il lui a pris. Martez, Zidane. Il s'est rasé. La boule à zéro. Il s'est rasé. C'est quand même. C'est fou, hein. Mais pour quelqu'un qui a connu autant de choses, je trouve qu'il les fait pas quand même. Non, parce qu'il est. Il est resté. Bon, on y va là. Bon, alors on y va. Alors, cher Jean-Pierre, voilà. Bonjour. Je sais que tu es l'invité de Panique dans l'oreillette. On voulait te dire toute notre affection. Ouais. Et nous dire que tu es d'une jeunesse incroyable. On a l'impression que ta carrière vient de commencer. Il est toujours le plus vert d'entre nous, le plus raide aussi. Vert. Oui, ah. Il est vert. Vert pâle. Oui. Parfois rose. Vert pâle. Mais alors, Pierre, toujours un garçon. Ce qui est très agréable avec toi, c'est que c'est toujours le même tempérament. Calme, jamais emporté, serein. Voilà, on est... Ce qu'il y a de bien, Michard, on va le dire à Catherine Barma et à Frédéric Lopez, c'est qu'il a toujours ses habitudes. Hein. Ah. C'est-à-dire, avant, au milieu de l'émission et après, un petit verre de blanc. Enfin, un peu plus grand que ça, quand même. Pas plus d'un litre par personne. Pas plus d'un litre par personne. Oui, c'est du blanc. C'est Jean-Pierre, blanc. À notre amitié, je trinque à ta santé. Puis n'oublie pas, hein. Pas plus que ça. Hein. Pas plus que ça. Salut, Jean. Quel duo! Alors, moi, je remercie Michel Drucker avec Claude Sirillon, sincèrement. Alors, c'est quand même deux beaux faux culs. Hein. Mais ce que je vous demande, et je le demande également à Catherine Barma, la productrice, si Drucker ou Sirillon viennent là par hasard, n'hésitez pas à m'appeler, je vais vous laisser mon portable. Surtout, vous gênez pas. Hein. Mimi, c'est difficile de parler de ces... Enfin, sans provoquer chez vous de la modestie. Les succès à la télévision, avec tout ce que vous faites, c'est à chaque fois des records d'audience, tout le temps.
hein, ça a démarré. Ça se passe bien, oui. Non, mais voilà, la modestie. Non, mais c'est moi qui suis obligé de le dire. Mais à chaque fois, ça bat des records d'audience. J'ai envie de dire, c'est au-delà des rêves de la petite fille dont on parlait tout à l'heure. Oh, largement. Chaque matin, moi, je suis émerveillée de tout ce qui m'arrive. Même quand je me lève à 5 heures pour aller tourner, je suis contente parce que j'aime ça. J'en ai rêvé et j'ai pas envie de m'en plaindre, quoi. C'est trop beau. Et ce que je voudrais qu'on pense, c'est que c'est impossible pour vous de l'expliquer, mais est-ce que vous avez essayé d'expliquer ça, la relation que vous avez avec le public qui vous met à chaque fois dans les personnalités les plus populaires? On est plus presque 60 millions d'habitants. On est que 60 millions en France. Être la première femme de France, je fais pas de concurrence à Carla, c'est pas ça que je veux dire. Non, mais dans les sondages, la femme préférée des Français, dans je dis Dédé, depuis quelques années, ouais. c'est génial. Et encore une fois, je pense pas à moi, je pense à mes parents. Je me dis, je suis contente qu'ils vivent ça, qu'ils soient pas partis avant que ça m'arrive. Souvent, j'entends des copains qui disent, mon père m'a pas vu sur scène, mes parents m'ont pas vu sur scène, et j'ai cette chance inouïe de que mes parents, le jour où ils s'en iront le plus tard possible, soient rassurés. Et ils se diront, ça va. Déjà, ils sont rassurés parce que j'ai trouvé un mari, j'ai mis du temps, mais j'ai trouvé. Mais aussi parce que ce métier que j'aime et que je voulais faire, je le fais, j'en vis, je peux les gâter et je peux gâter les gens que j'aime. Mmh. C'est magnifique, ça. C'est le rêve de tout enfant. On est content pour vous. Et il y a peut-être un seul regret. De ne pas avoir encore fait de film à Hollywood. Parce que ça, c'est un truc. Vous faites ce qu'on appelle la visualisation créatrice. Tout ce qui vous est arrivé, vous l'aviez rêvé. Donc Hollywood, ça va arriver. Je crains le pire. Le chemisier rose va revenir, là. Ouh. Alors là, je voudrais m'adresser aux téléspectateurs qui nous rejoignent, qui n'étaient pas là en début d'émission. Effectivement, Mimi a un rêve. Tourner dans un film à Hollywood, donner la réplique à des grandes stars américaines. Eh bien, justement, tout à l'heure, on lui a demandé, comme ça, de nous faire confiance, de se mettre devant un fond vert. Donc, où on peut se permettre de faire des trucages. Elle ne savait pas exactement ce qu'elle faisait. Elle a tout simplement dit ce qu'on lui a demandé de dire. Elle ne sait pas à qui elle donnait la réplique. Voici le résultat, ça pourrait vous aider à Hollywood. On regarde. Sandy! Oh, Dani! Sandy, qu'est-ce que tu fais ici? Je te croyais reparti en Australie. On a changé le projet. Oh, ça alors. C'est la vie, ça, mon petit. Et la vie, tu sais ce que c'est. Ça va et ça vient. Il n'y a rien à y faire. Dani! Oui, c'est mon nom et tu vas aller. Mais qu'est-ce que tu as? Tu me demandes ce que j'ai, moi, mais c'est toi qui tournes par an. Oh, mais qu'est devenu le Dani que j'ai connu à la plage? Ah ouais, j'en sais rien, ça me passionne pas, peut-être. Peut-être bien qu'il y a deux Dani Zoukou. Passe une annonce dans le journal à la rubrique disparu, ou alors. Jette un coup d'œil dans le bottin, on sait jamais. Hein. Je ne veux plus te voir et je ne voudrais jamais avoir posé les yeux sur toi. J'espère qu'elle va pas revenir le flinguer. Oh. Alors, elle a posé les yeux sur c'est toi. C'est pas tout ce qu'elle y a posé. En tout cas, Dani, on sait ce que t'as posé sur elle. Hé, Zoukou, j'ai une bagnole, tu te rappelles? C'est génial. Magnifique. Vous avez donné la réplique à John Travolta. J'ai donné la réplique à Travolta, c'est vachement bien ce que vous avez fait. Et je voudrais remercier notre monteur Stéphane Debay, on pourrait l'applaudir, il a fait ça pendant l'émission. Pendant l'émission. Impressionnant, hein? Une mise en scène. C'est génial. Ça fait un souvenir. Ah oui. Et une mise en scène de Jean-Pierre Coff, je le rappelle, qui vous a dirigé. Ah ben c'est... Ah ben ce film de Jean-Pierre Coff est très connu. Hein. On va en faire d'autres. Ce film de Jean-Pierre Coff, Grease. Je suis contente d'avoir joué comme une patate parce voilà. que. On saura que c'était en dérision en tout alors, cas. C'était génial. Bon. C'était génial. Alors effectivement, il vous tourne le dos, enfin il vous snob un peu, Travolta, mais vous en foutez. Vous avez parlé de votre mari Benoît tout à l'heure, vous-même. Vous avez dit, bah de toute façon, je m'en fous. Ah oui, je me rappelais plus comment il s'appelait. Oui, c'est Benoît. Ça fait plaisir. Hein. Non, mais c'est ça, c'était un prince charmant. Vous avez même écrit un livre, vous avez parlé de votre histoire, de votre rencontre. Au travers des recettes. Unique. On avait fait un livre au travers des recettes de nos vies qui nous avaient marqué, puisqu'on s'est rencontrés sur une certaine recette et on est parti là-dessus. Mais sur une scène, parce que c'est pas banal, il n'y a pas beaucoup de gens qui se sont rencontrés sur une scène. Et ça, c'est vrai. Premier contact ensemble, c'est une scène. Avec Muriel, on avait écrit un spectacle que je faisais monter quelqu'un sur scène tous les soirs pendant 2 minutes. Donc j'ai vraiment eu tout. Et c'est vrai qu'à la 180e représentation, à Saint-Brieuc, il s'est passé quelque chose avec le monsieur qui montait 2 minutes, qui était maladroit comme tout, et qui était mal fagoté, qui était mal habillé, qui était empoté. Mais il y a eu un truc et puis... Mais c'est vrai que c'est une histoire un peu extraordinaire, c'est un conte de fées. Parce qu'on aurait très bien pu se revoir et que ça dure... Et là, ça va faire 6 ans, donc c'est quand même une belle histoire. C'est une belle histoire. Une romance d'aujourd'hui. Et
Non, parce que c'est vrai que vous avez... Moi, je suis assez fasciné par ça. Cette idée qu'il y a des êtres humains qui se croisent à un moment donné, qui auraient pu se croiser définitivement. Oui, tout à fait. Et donc, à un moment donné, parce que votre famille, votre tribu, parce qu'on a compris qu'il y avait une tribu autour de vous, vous surprotège à un moment donné. Il y a une sorte de méfiance vis-à-vis de lui au début. Ah bah, le premier contact de papa et de Benoît a été très chaleureux. Je faisais l'Olympia, donc c'était l'occasion de présenter Benoît à mes parents qui étaient montés pour l'Olympia. Et puis, donc, on a ouvert la porte tous les deux. Les parents arrivaient de Lyon. Voilà, et ça, il a dit à Benoît, il m'embrasse, papa, puis il dit à Benoît, alors vous, je vous préviens, si vous rendez ma fille heureuse, tout ira bien, sinon vous aurez affaire à moi. Bonjour, je m'appelle Marcel. Mais il a réussi le défi, parce qu'il est encore là. Oui. Le prince charmant, mais messieurs Benoît. Je vous laisse vous asseoir à côté d'elle, Benoît. Je vous laisse vous asseoir. On peut applaudir Benoît qui était en coulisses. Grand Jean-Pierre. Oui. Ah mais je me merde, moi. Mais je ne vous, vous, vous la voyais pas. Ah. Des fois, il se passe quelque chose, je vais être en face. Non, on va rester très sage, hein, je te dis. On ne sait jamais. Demande-lui de quelle manière elle arrive à le gérer sur une histoire de cuisine chez elle, dans sa nouvelle maison à Vaison-la-Romaine. Comment vous le gérez en cuisine? Parce que quand même, il est cuisinier à Vaison-la-Romaine. Ah ben, c'est lui qui cuisine souvent. Ouais. Si je cuisine, je ne veux pas qu'il soit avec moi. Quand elle cuisine, elle met un périmètre de sécurité autour de la cuisine. Ouais. Et si je franchis ce périmètre, je vais dehors. Dehors. Mais c'est bien d'avoir un cuisinier à la maison. Mes copains sont contents. Elle cuisine très bien. Elle cuisine premier plat que j'ai dégusté lorsque je suis arrivé à Paris et à l'appartement, c'était une cocotte de veau aux olives, hein, oui. Citron confit. Et elle m'a eu avec ce plat. Demande-lui si elle va changer la place de sa cuisine à Vaison-la-Romaine. Est-ce que vous avez changé la place de votre cuisine à Vaison-la-Romaine, on me demande. Oh non, mais on va le faire. On a failli pas acheter la maison parce qu'il me fait « la cuisine est toute petite ». La maison fait 240 mètres carrés. Je lui dis, on peut peut-être l'agrandir à un moment. Mais au départ, il voulait la transporter carrément à l'autre bout de la maison. Et heureusement, on a eu plein de copains au jour de l'an qui lui ont dit, mais pourquoi tu n'agrandis pas simplement je les avais briefés avant. Ah, c'est vrai, c'est vrai. C'est pas on vrai. On confirme qu'ils ont été briefés. On en reparlera C'est Alice Donna qui lui dit, mais tu sais, si tu mets ta cuisine là, vous cassez le mur, il n'y a pas tout à transporter de l'autre côté. Et il me fait, dis donc, ils ont eu une super idée. C'est bien, c'est bien. Les femmes ont pas toujours ce qu'elles veulent. c'était le moment jamais de te le dire, chérie. Voilà, c'est dit en public, comme ça, vous ne pouvez rien faire. Alors, ne bougez pas. Merci. Mimi, j'aimerais que vous veniez avec moi parce que vous allez deviner maintenant qui est là. Venez Jean-Pierre, on va deviner qui était dans la bulle pour me souffler toutes ces anecdotes, l'un et l'autre. Alors qui reste-t-il? Vous dites des prénoms, des noms et puis on va voir qui va apparaître tout de suite. Moi je dirais Michel Bernier, je pense. Ouais. Parce qu'Isabelle est au théâtre. Ouais. À toi d'en dire un. Allez-y, Patrice dites des noms. Christophe Lafont. Ouais. Ou Jean-Yves Bouvier. Non. Et que j'ai amené. Un pot de confiture de citre. Un pot de confiture de quoi? De citre. Ah, un balutin. Alors, pour Mimi, tu lui dis, pour moi, tu lui dis Traboule. Traboule, donc c'est lyonnais, c'est un lyonnaise. Laurent Boyer? Moi, je lui ai apporté un costume de cardinal. Un costume de cardinal pour Jean-Pierre Coff. Alors, c'est Liliane Bordoni ou Agnès Vincent? La fille a horreur des courants d'air. La fille horreur des courants d'air. Elle était là pour le fromage. Elle était là au moment des fromages coupés. Ça te dit rien, Martine. Martine Luciano. Moi, à force de soulever des grosses bouteilles de vin, j'ai une luxure au bras. Bruno Philippa. Ok. Et moi, depuis Lyon, je suis la seule à savoir qu'avant d'épouser un cuisinier, elle était très amoureuse d'un pâtissier depuis son plus jeune âge. Adolescente. Qui vous a connu adolescente? Dominique, ma cousine. On va voir. Ils descendent les escaliers, mesdames, messieurs, mes complices. Les vôtres sont là. Allez, venez vous asseoir autour de
de nos invités. Ils vont venir autour de vous. Chérie, oui, bonjour. Il en manque un. Ça va? Allez-y, marchez, marchez, peut-être ça va l'aider. Non, marche normalement. Heureux. Même oui, vraiment, pour être heureux. Est-ce qu'on peut voir de qui il s'agit? Oui, Patrick Malakian. J'ai vu, attention. On l'a. Il a fait toute l'émission comme ça. Hein. Allez, installez-vous. On a mis la photo de famille. Installez-vous autour, mettez-vous autour de lui. Voilà, il faut expliquer au public parce que personne ne comprend pourquoi. Patrick Malakian est un réalisateur avec qui j'ai travaillé et qui travaille aussi avec d'autres gens parce que c'est un bon. Et une émission que je faisais avec Laurent, il est arrivé en 3 déguisements successifs. J'ai vu Bécassine, j'ai vu un poussin. Oui. Et il y avait. Il sonnait à la porte à chaque fois, mais déguisé comme ça. T'imagines de traverser la cour dans la rue et tout ça. Et il était habillé, ça le gênait pas. Une fois Bécassine, t'étais beau quand même. Et alors, si tu es seul, parce que là, t'as une équipe derrière, mais quand t'es tout seul dans la cour en bas et qu'il faut que tu te changes et qu'il y a les gens qui passent qui font. Ça, je peux te dire qu'en Bécassine, dans ton quartier, je suis très connu. Bon, en tout cas, merci de l'avoir fait pour nous parce qu'on savait que c'était un gag récurrent. À un moment donné, vous avez quand même dit, mais qui était là au cours Simon avec moi, etc. Jacques Balutin. Bien sûr, Jacques Balutin, évidemment. C'est incroyable, vous êtes aux Grosses Têtes ensemble aujourd'hui et vous êtes connu adolescent. On s'est connu quand il avait des cheveux longs. Hein, ma poule, t'avais une... Mais toi aussi, t'avais des cheveux. Oui, mais pas longs, et pas aussi beaux que les tiens. C'est vrai. Hein, c'est vrai. Patrice, c'est incroyable, dans une agence, donc on l'a vu, vous aviez travaillé. C'était mon patron. Il était dur. Il était difficile. Je ne t'ai jamais fait pleurer, ce type. Les secrétaires. Agnès, votre meilleure amie. C'est ma sœur. Elle a gardé 3/4 des infos, elle a lâché quelques trucs. Oui, enfin... C'est cardinal, tu m'as. Mais je ne peux pas tout raconter parce que la vie de Jean-Pierre, c'est un spectacle. Et je voudrais juste dire un truc à propos de Jean-Pierre. C'est un homme extraordinaire, tout le monde le connaît, tout le monde l'aime. Mais personne ne sait combien lui, il nous aime. Et ceux qui, comme moi, ont la chance de faire partie de ses amis, c'est l'homme le plus extraordinaire du monde. Oh, magnifique! Un petit mot. Repasse-moi les Kleenex, s'il te plaît, Mimi. Un petit mot, parce que vous connaissez l'homme de la campagne. Eh ben moi, je l'aide à chasser ses lapins, en lui prêtant un fusil qui ne tue jamais un lapin. Parce que les lapins mangent les carottes, les pauvres. Et hélas. Et il a beau leur parler... C'est mon ami de la campagne. Nous nous voyons presque tous les week-ends, en tout cas fréquemment. Dimanche dernier... On a vu un coup de blanc ensemble. un petit Non, pas un petit, pas un petit. Non, tout à fait correct. Lolo, effectivement... Lolo Boyer, c'est donc une amitié depuis, depuis 25, 30, 25 ans, 25 à peu ans, près, je t'ai connu, tu avais 3 ans, voilà. Et tu avais 2 ans, puisque tu as 6 mois de moins que moi. Non, on a le même âge, oui, et c'est vrai que voilà, on se connaît bien. Je suis très contente qu'en début janvier, c'est enfin son anniversaire, parce qu'on a le même âge pendant 6 mois. Oui, et c'est le premier truc qu'elle m'envoie. Ça y est, on a le même âge 6 mois, tu vois, boum. Bon, en tout cas, il a soufflé plein d'infos, j'ai pas pu tout reprendre, mais le public et les téléspectateurs ont tout entendu, et je remercie sincèrement d'être venu le voir. Un petit mot. Alors Bruno, c'est un ami avec qui j'ai vécu les bons, les mauvais moments. On aurait dû se marier à une époque, on était célibataires. Ouais. Finalement, on a trouvé chacun l'homme et la femme de notre vie. Et c'est une amitié à vie puisque je suis la marraine de son fils, de mon petit Julien, à qui je fais un gros bisou. Voilà. Bon Bruno, merci Bruno d'être venu. Martine, qui avait remplacé Isabelle de Beauton. C'était sur le moment, mais Martine a remplacé Isabelle parce qu'Isabelle était bien enceinte pendant la tournée du Gros Navion. Et c'est Martine qui est venue et qui l'a remplacée avec succès, avec talent. Et avec qui on a vécu cette histoire de monsieur débile qui m'a essayé les pieds du lit. Une bonne copine. Et Dominique. La cousine Dominique. Dominique, c'est ma cousine Germaine. On a 15 jours d'écart, mais c'est elle qui est beaucoup plus vieille. N'est-ce pas? On a été les deux premières petites filles de mes grands-parents et on a grandi ensemble, surtout elle. Et puis on s'est jamais quittés. Je suis marraine de sa fille aussi, Clarisse, ma clac-clac. J'embrasse aussi. Mais je suis marraine mille fois, donc vous pouvez. Voilà. Bon, en tout cas, je voudrais signaler qu'on peut entendre Laurent sur RTL tous les jours à 14h30, la tête dans les étoiles. Et on peut voir sur M6 également pour des tas d'émissions. Mais je ne vais pas faire la pub d'M6 sur France 2. Mais en tout cas, sur RTL, écoutez-le à 14h30. Patrice, il y a un livre très bientôt.
Fugue en majeur aux éditions Anne Carrière, sortie prévue mi-juin. C'est un vrai roman romanesque, l'histoire d'une maman qui en a tellement marre de sa fille de 15 ans, qui lui fait toutes les misères que peut faire une fille de 15 ans, qu'elle décide, la maman, de faire une fugue. Et c'est l'histoire de la fugue de la mère. Voilà. Voilà. Écrite par Patrice. Et Direct Poker sur Direct 8, dans l'émission dans laquelle on peut vous voir. Je rappelle que Mimi propose pour la première fois, et il y en aura comme ça deux par an, des histoires qu'elle a inventées. Les vacances africaines de Zouzou et Aïe. D'accord. Aïe. Mais Aïe, c'est ma petite sœur qui s'appelle Frédéric et qu'on a toujours appelée Aïe jusqu'à ce qu'elle découvre que c'était un animal paresseux. Et je me suis servi de ce prénom, l'Aïe. Donc c'est les vacances africaines de Zouzou et Aïe. Très très belles histoires écrites et racontées par Mimi Mati pour les enfants, dans lesquels on parle de choses très très importantes. Et puis, je rappelle ce livre qui bat des records, effectivement, le livre de Jean-Pierre Coff. Il en a fait beaucoup, mais celui-là arrive à point nommé, comme on dit, effectivement. Un million d'exemples. Hein, million. Moi, je m'a dit. Alors voilà, on m'a dit, c'est pas un million. Non. On m'a dit, les experts me disent, il va atteindre le 1 million d'exemplaires. En tout cas, il est numéro 1 des ventes, toutes catégories confondues. C'est le best-seller en ce moment, le plaisir à petit prix. Et beaucoup de gens l'ont testé, ils ont vérifié, on peut manger pour une famille, effectivement, de 4 personnes à moins de 9 euros par jour. Merci Jean-Pierre Coff d'être venu nous voir. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Merci Benoît. Et c'est vrai que j'adore dans cette émission quand les invités racontent avec générosité leur parcours, qu'ils racontent tous les obstacles qu'ils ont surmontés. Et donc j'aime bien terminer cette émission par une phrase d'Oscar Wilde qui vous correspond, mais alors vraiment exactement. Dans la vie, il faut viser la lune, car même en cas d'échec, on atterrit toujours dans les étoiles. Merci beaucoup. Merci à vous tous. On se retrouve mercredi dans 15 jours sur France 2. Merci à vous.